Grâce étonnante, cœur doux après, j'aimerais demander à tous les choristes d'être à leur poste maintenant et à mon frère Graël juste prêt. Après le psaume, vous chanterez le cantique que vous avez préparé. Mon frère Graël, tu es où? Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons le livre de psaume au chapitre 15. Psaume chapitre 15, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 15, nous lisons la parole du Seigneur. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt sur son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Que le Seigneur soit réellement béni. Tendre Père Céleste et notre Dieu, ta parole est la vérité. Bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons être ainsi, Seigneur, comme cet homme qui est décrit dans ce psaume. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui soit simplement un instrument dans ta main, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Utilise-le puissamment pour notre bénédiction ce matin. Jésus-Christ, mon roi, tu ne changes pas. Tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais marcher les paralytiques, tu ressuscites les morts, tu donnes la vie, Jésus. Tu es présent parmi nous ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, et bénis chacun de nous au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père. Amen. Assieds-nous, d'accord.
merveilleux. Hein? Que le Seigneur le bénisse richement. Hein? C'est extraordinaire la manière dont ils ont chanté ce cantique. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Graël. Qu'il vous bénisse aussi toute la chorale entière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, et chacun de nous encore en ce jour, nous avons besoin de toi, de te servir encore en ce jour. Oui. L'apôtre Paul a dit, les souffrances étant présentes, sauraient être comparées. Merci, merci, Seigneur. Oui, Père. Merci, mon Seigneur Jésus. Cela valait la peine, mon Seigneur. Merci. Merci. Viens-nous en aide. Délivre-nous, mon Seigneur Jésus. Merci encore. Alléluia. Merci, merci. Merci. Oui, Père. Sois exalté. Sois loué. Sois béni. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, mon Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Père. Merci, Père. Sois exalté encore et encore, mon roi. Merci pour la grâce de pouvoir être à toi. Merci. Merci. Nous le croyons, mon Sauveur. Tu as vu nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu vois nos âmes encore aujourd'hui même. Nous sommes un peuple qui t'appartient et nous voulons vivre encore pour toi, Seigneur, et t'honorer encore dans notre vie. Merci, Père. Louange, louange à toi et gloire à toi, Jésus. Oui, Père. Merci, Père. Merci encore, mon Seigneur. Tu soutiendras et celui
qui est à toi, comme nous l'avons entendu. Merci, éternel notre Dieu. Merci, mon sauveur. Merci. Merci, mon sauveur. Merci. 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 Gloire à toi. Merci. 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 Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Merci. Tu es Dieu, mon sauveur. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Gloire à toi. Jésus le Tout-Puissant. Rien n'est impossible. Crois. Merci. Crois. 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 Alléluia. Merci. Alléluia. Louange à toi. Merci, Père. Alléluia. Merci. Je suis là. 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 Alléluia. Connais nos cœurs. Merci. Merci, mon Père. Ton nom soit béni encore ce matin. Pour l'amour que tu nous témoignes encore d'être là parmi les vivants, mon sauveur. C'est une grâce exceptionnelle aussi, Père Saint-Dieu. Et tu nous accordes ce moment dans ta présence où nous pouvons te louer, où nous pouvons t'exalter, Seigneur. Seigneur, si tu n'étais pas là, où serions-nous encore aujourd'hui? Mais ce n'est pas ta grâce que nous vivons. Ce n'est pas ta grâce que nous pouvons avoir ce souffle de vie et que nous pouvons aussi te chanter, Seigneur. Tu nous tiendras toujours par ta main, Seigneur. Tu nous conduiras toujours, mon sauveur, vers de vers pâturage, mon roi. Tu pourvoiras toujours pour ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux de savoir que tu es vivant. Oh Dieu, tu as dit, si tu traverses les eaux ne submergeront point. Je serai avec toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Même la flamme t'embrasera point. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons vraiment, en prédibissant, cette assurance de marcher avec les Tout-Puissants, Père. Merci pour ta présence encore ce matin, Seigneur, au milieu de ton peuple, à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je prie aussi pour tous ces bénévoles frères et sœurs qui, dans différents pays, sont connectés en cet endroit. Seigneur, c'est aussi les jours que tu nous donnes de pouvoir réellement expérimenter, Seigneur, ton amour encore davantage à notre endroit, en nous instruisant et nous ramenant toujours sur le fondement, Père. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous voulons demeurer là où tu veux que nous soyons, Seigneur. C'est dans ta parole. Tu as dit, demeurez en moi et je demeurerai aussi en vous et que mes paroles demeurent en vous. Oh, Jésus-Christ, mon roi, merci encore pour ce matin, pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le psaume, l'adoration, bien-aimé, pour ta présence encore, bien-aimé Père Tubissant. Merci encore pour le don que tu déverses encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Fais encore davantage, mon roi. Fais encore davantage, mon roi, comme tu as toujours fait, ton Esprit Saint. Agir encore davantage, que tu nous parles, mon Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous prions pour que tu agisses encore davantage, mon Père Saint, pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque enfant, pour nos petits-enfants, tous ceux qui sont à toi, ô Dieu, ceux qui sont aussi au loin, Seigneur, ô Dieu, que l'ennemi, Père, cherche à pouvoir vraiment, ô Dieu, retenir encore davantage, mais que tous ces liens-là soient brisés, afin qu'ils sortent, ils s'élèvent, mon bénémoine, Père Tébissant, et qu'ils soient simplement attirés par toi, mon bénémoine, Père, et sortir de tous ces lots, ces groupes, mon bénémoine, Père Tébissant, venir à ton admirable lumière, Seigneur. C'est le temps que tu nous as donné. Sois béni et sois glorifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci aussi pour tes compassions. Merci pour ces instants. Nous te remercions car nous t'avons ainsi prié, Père. Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous richement. Et nous sommes toujours heureux et dans la joie de pouvoir nous retrouver dans sa maison pour l'adorer, les glorifier, l'exalter aussi, et surtout pour tous les bienfaits qui ne cessent de pouvoir aussi manifester à l'endroit de tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie de vous avoir aussi ce matin, pour tout ce qui est venu de loin, aussi de près, ceux qui sont venus de la France, aussi dans les pays environnants, et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits, que ce soit aussi les nouveaux aussi, et tous ceux qui sont aussi dans la joie ou le désir aussi de pouvoir prendre part à toutes ces
ce moment aujourd'hui que nous allons passer dans sa présence. Nous nous attendons à lui et c'est toujours le désir de notre cœur qu'il puisse faire encore son œuvre dans chacun de nous. Que le Seigneur bénisse notre sœur Esther Mamou qui était partie et qui est revenue et pour laquelle nous avons aussi prié. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse chacun de vous tous et Dieu connaît chacun de vous. Et votre présence aussi nous réjouit aussi, je crois, notre frère Nathan, qui est là aussi ce matin aussi, a pu chanter aussi, comme l'a toujours ce désir de pouvoir glorifier le Seigneur au travers des chants et des cantiques. Nous nous réjouissons toujours de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous soutienne et nous aide encore davantage à pouvoir tenir ferme et persévérer effectivement aussi dans la marche et c'est cela, ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions être toujours persévérants. Et ça, c'est quelque chose qui doit être aussi dans chaque enfant de Dieu que nous sommes, de ne point relâcher parce qu'il a dit lui-même que et nous devons persévérer dans la prière et prier, persévérer toujours malgré tout ce qui pouvait être sur le chemin, mais la persévérance est nécessaire. Ne point se relâcher, effectivement, et c'est comme cela que nous obtiendrons, effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc promis. Vous pouvez réaliser qu'effectivement, que quand Dieu fait la promesse, il tient toujours, mais avant que nous arrivions à cette promesse, l'ennemi se dressera toujours pour nous empêcher, pour nous faire dévier le chemin, effectivement, mais gloire soit rendue au Seigneur, il a toujours veillé sur sa propre semence. C'est pour ça qu'il revient toujours pour nous positionner. Nous sommes appelés à pouvoir réellement vivre dans cette unité de la foi. L'unité donc de l'esprit, que nous puissions réellement atteindre, c'est important pour que nous puissions véritablement avoir cette assurance, cette certitude que lorsqu'il viendra, nous le verrons certainement. Il faut que cela soit dans chacun de nous, parce que le but du Seigneur, c'est de nous ramener effectivement à la position initiale, effectivement, donc de l'Église, c'est-à-dire que à l'Église primitive, de la manière dont le Seigneur a eu lui-même à poser effectivement aussi le fondement de cela et manifester en réalité son désir et sa volonté, c'est-à-dire cette épouse qu'il a toujours voulu, effectivement. Et là, il l'a fait, effectivement, et cela s'est passé, effectivement, le jour de la Pentecôte. Il a démontré, effectivement, que tout ce qu'il fait, c'est avec aussi sa puissance et son autorité, sa détermination, effectivement. Il a donc déployé son Saint-Esprit, effectivement, son esprit dans son propre corps, effectivement, qui est donc l'Église. Alors, il nous a démontré aussi comment est-ce que l'Église, effectivement, se tient et devait se tenir, effectivement. Et c'est pour ça que vous avez pu remarquer, nous avons pu voir, effectivement, cela dans les Saintes Écritures, qu'il est parlé, donc, des âges, effectivement, donc, de cet âge, effectivement, cette période, effectivement, à travers laquelle, effectivement, là, l'Église va passer, son Église, son corps va traverser, comme nous l'avons entendu, quand Dieu fait sa promesse, effectivement, l'ennemi se dressera toujours pour combattre effectivement aussi ce qui est donc ce auquel effectivement aussi la promesse a été donc décidée. C'est pour ça que lorsqu'il a parlé dans Matthieu chapitre 16, il a toujours été clair et il a prononcé une parole, parce que quand il prononce cette parole, effectivement, cela veut dire effectivement que c'est notre victoire. Donc il a dit effectivement sur cette révélation, donc sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que les diables, Satan et tout l'enfer va se dresser contre elle, mais les Seigneurs a dit ne prévaudront point. Donc ils n'auront jamais la victoire. C'est pour ça qu'il est écrit à celui qui vaincra. Donc il y aura toujours deux vainqueurs. Il nous est toujours nécessaire et demandé d'être attentif quand le Seigneur, notre Dieu, parle, parce que notre foi est toujours fondée sur ce que le Seigneur lui-même
a dit. C'est ainsi que si nous ne sommes pas attentifs, le diable vient et il enlève. Maintenant, tu deviens effectivement son jouet. Alors que tu as l'autorité, alors que tu as la puissance, mais il se joue de toi parce que tu ignores celui, ce que Dieu t'a dit, parce que ta foi, toi, s'il ne sait pas ce que le Seigneur a dit, et ne sait pas se reposer sur quelque chose. Alors, c'est pour ça que nous sommes toujours appelés, et comme nous l'avons eu aussi à pouvoir l'entendre, mon frère et ma soeur, les caractéristiques d'un élu, c'est l'attention. Et il est toujours très attentif quand Dieu parle. Je vous donne toujours l'exemple pour que vous puissiez être sûr et certain, c'est avec Abraham. Abraham est un élu de Dieu. Regardez comment Dieu lui parlait. Et ça semblait comme si cet homme ici, il s'est passé. Non, cet homme prêtait attention à chaque mot que Dieu prononçait à son sujet. Parce que c'était nécessaire pour son pèlerinage, en fait. C'était cela ce qui devait le garder, le protéger pour l'histoire que Dieu allait faire avec lui, en fait. Pour notre histoire aussi avec Dieu, il est aussi nécessaire que nous puissions réellement réaliser, comprendre et recevoir et faire attention à ce que Dieu nous dit aussi. Donc Abraham, pour l'histoire qu'il devait faire avec Dieu, Dieu lui en avait parlé. C'est pour ça que quand il lui a dit qu'effectivement que, et quand je reviens à cette même époque, effectivement que Sarah ta femme t'enfantera un fils et puis donnera le nom d'Isaac. Et puis il a continué à parler en disant qu'en Isaac sera nommé pour toi, appelé pour toi une postérité. Donc Abraham a pu entendre cela. C'est quelque chose qui... Peut-être quelqu'un d'autre pouvait passer effectivement que bon, le Seigneur a dit que j'aurais un fils, mais peut-être le suivant n'a peut-être pas prêté attention. C'est à ce moment-là que les troubles ont venu, parce que en ayant fait la promesse à Abraham que sa femme, Sarah, allait avoir un fils effectivement, et même les noms, mais voilà que s'il n'avait pas prêté attention, c'est Dieu-là vient lui donner d'offrir cet enfant en sacrifice. Mais maintenant, s'il n'avait pas prêté attention, il serait désemparé. Il aurait dit, mais Dieu, tu m'avais fait la promesse. Mais tu me dis maintenant que mais cet enfant, si tu m'as donné l'enfant, mais tu me veux que je puisse te l'offrir, qu'est-ce qui va encore advenir? S'il n'avait pas prêté attention, mais parce qu'il avait bien prêté, c'est nécessaire, mon frère et ma soeur. Il n'est plus le temps de perdre son temps. La Bible nous dit, rachetez le temps, ma soeur. Il faut racheter le temps. C'est-à-dire que ne perdez pas votre temps. Donc il faut vraiment prendre conscience que chaque moment que Dieu veut que nous puissions, parce qu'il donne l'occasion, alors soyons très attentifs. Et c'est la parole de Dieu qui va régler tous les problèmes dans notre vie, de tous les jours. Ce n'est pas un homme, mais la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas attentif à la parole de Dieu, tu penses à celui qui va régler les problèmes là-bas en Australie, je ne sais absolument rien, mais tu vas échouer. Mais c'est la parole de Dieu qui règle tout dans la vie de tout enfant de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Donc quand Dieu lui a dit, mais viens m'offrir en sacrifice, effectivement, ça dit que c'était qu'il faut le tuer et puis le brûler. Abraham n'a pas tremblé, parce qu'Abraham se souvenait toujours que ce Dieu avait dit, que mon fils ici, l'unique que j'ai ici, par lui, j'aurai donc une postérité. Mais comme Dieu ne ment jamais, mais comme Dieu n'oublie jamais, comme Dieu ne se trompe jamais, alors s'il me le demande, c'est qu'effectivement, il va faire quelque chose. C'est pour ça que Dieu te bénisse richement. C'est pour ça qu'il est venu, un homme comme vous et moi, il regarde ses serviteurs, il voit la montagne, ils sont arrivés, il dit, vous, vous resterez ici. Moi et mon fils, nous partirons là-bas pour aller adorer. Et il ajoute, moi et mon fils ici, nous reviendrons. S'il n'avait pas prêté attention à la voix de Dieu, c'est pour ça, ce n'est pas un jeu de se rassembler ici. Les gens peuvent nous mépriser, ils ne comprennent rien. Mais vous, vous devez comprendre que nous nous préparons véritablement pour aller chez nous. Beaucoup de gens parlent, oui, ceci et cela. Souvenez-vous toujours d'Élie et Élisée. Oui, c'est que la différence qu'avaient les autres personnes, ils disaient, ben, sais-tu que ceci et cela, non, 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 ils savaient beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas le même esprit qu'Élie avait avec Élisée. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui veut dire que nous ne cherchons pas les esprits des hommes, mais c'est l'esprit du Seigneur que nous devons avoir. Alors, si nous avons l'Esprit du Seigneur, alors nous savons très bien que le Saint-Esprit ne conduira pas dans l'erreur. Il va toujours nous conduire dans la vérité. Et aussi, si nous connaissons la vérité, c'est que nous devons être sûrs et certains que quand la trompette sonnera,
C'est-à-dire que, mais nous devons quand même être dans cette position où nous devons être rassurés. D'abord, comme nous l'avons lu aussi dans les Saintes Écritures, nous l'avons lu avec vous, je pense, dans Romains au chapitre 8, vous vous souvenez. Eh bien, dans ce Romains au chapitre 8, effectivement, nous allons lire notre écriture aujourd'hui. Dans ce Romains chapitre 8, effectivement, nous avons entendu quelque chose que la Bible dit, effectivement, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, vous vous souvenez? Et puis plus loin, on nous dit effectivement que nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre la chair. Mais si vous vivez, c'est l'esprit, vous faites mourir. Donc, et puis plus loin, on dit encore que l'esprit, donc le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes donc enfants de Dieu. Donc nous voyons qu'effectivement, que ce n'est pas à moi-même de pouvoir me rendre moi-même un témoignage. Ou me dire que moi je suis. Il faut que on rende témoignage de toi. Mais qui va rendre témoignage de toi? Mais c'est pas moi. C'est toujours Dieu. Mais bien sûr que oui. C'est Dieu, effectivement, qui rendra témoignage de toi, comme la Bible. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un prophète. Non, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit. Que tu es vraiment un fils de Dieu. Donc c'est à nous de pouvoir réellement réaliser que nous devons nous tenir nous-mêmes face à la situation pour que nous puissions réaliser dans cette circonstance dans laquelle nous sommes effectivement, la manière dont nous réalisons qui nous sommes en réalité. C'est-à-dire que c'est les actes que nous posons en fait dans une situation, ouais, dans un événement quelconque, mon frère et ma soeur, qui le démontre effectivement. Vous ne devez pas attendre que les frères te disent que tu es un fils de Dieu ou tu es une fille de Dieu. Il faut que toi, ta vie à toi, avec toi-même, avec ce qui identifie effectivement un fils de Dieu, tu puisses arriver à pouvoir réaliser que quand je lis l'écriture, et puis il faut être honnête envers soi-même. Quand je lis cette écriture, quand je vois ce que la vie des uns dit, merci Seigneur que tu m'as permis de pouvoir quand même me retrouver. C'est par ta grâce que je me retrouve parce que avant je n'y étais pas, mais maintenant j'y suis. En fait, ce sont les écritures aussi qui rendent témoignage. C'est sûr et certain parce que c'est la parole de Dieu quand nous la lisons, nous regardons effectivement, dit Seigneur, là je suis pas dedans. C'est toujours en fait aussi ce que l'honnêteté en fait, envers soi-même, envers Dieu aussi, et la certitude. Donc, le livre de Matthieu au chapitre, non, c'est Luc je pense, c'est là, au chapitre 17, nous pouvons lire cela, nous y sommes je pense, oui. Luc au chapitre 17, nous lirons à partir du verset 22. Luc... Chapitre 17. Bon, peut-être même on peut commencer à partir du verset 20. On va lire un peu jusqu'à là. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, donc, il est ici, il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera donc le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr.
Il en sera de même, effectivement, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et en ce jour-là, que c'est lui, donc, qui sera sur le toit, évidemment, ici, effectivement, aussi, donc, celui qui sera donc sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour le prendre, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous donc de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, mais Seigneur, où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là, s'assembleront donc les aigles. Amen. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, mon Père Saint-Dieu, pour ce privilège que nous avons encore de nous tenir dans ta maison, Père Dieu. Et c'est vrai, nous réjouissons quand nous avons cette grâce que tu descends au milieu de nous pour nous parler, Père Tubissant, nous réjouir encore davantage et nous montrer effectivement aussi la voie que nous devons, Père Tubissant, la manière de pouvoir marcher dans cette voie que tu as et toi-même. Avec mon bénin Père Saint-Dieu et la marche que tu veux que nous puissions adopter, les rythmes que tu veux. Seigneur, aide-nous, Père. Pardonne-nous encore, Père Saint-Dieu, pour tout le manquement, les effets, Père Tubissant, tout ce que nous avons fait qui n'a pas été à ta gloire. À ce moment, c'est un moment aussi important pour nous parce que nous avons besoin de t'entendre, de nous parler. J'en ai besoin, moi aussi, Père. Tu connais mon cœur. Je te demande cette grâce et pardon, Père, et soutiens chacun de nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Voilà que nous lisons une écriture qui, je crois que connaît en fait beaucoup aussi, parce que par le temps, c'est une écriture qui est lue effectivement dans différents endroits. Mais comme nous pouvons le remarquer, ce que la parole de Dieu est comme un océan profond. L'océan, vous pouvez avoir probablement aussi des poissons de cette catégorie, parce que quand vous descendez un peu dans certaines profondeurs, il y a des catégories de poissons, et plus dans la profondeur vous y entrez, plus il y a encore d'autres catégories. Donc, comme aussi nous pouvons le savoir, c'est la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. Et si le Seigneur l'a prononcée, il garde toujours sa puissance et puis sa diversité aussi davantage. Parce que je me réfère toujours à cela pour montrer la puissance qu'a détient la Dieu, effectivement, que sa parole aussi dit que les eaux produisent des poissons de toute espèce. C'est seulement cette parole qui est sortie qui a pu produire autant d'espèces, même qu'on ne sait pas nombreux, en fait, jusqu'à ces jours. Donc c'est pour que nous comprenions qu'effectivement que nous ne pouvons recevoir que ce que Dieu nous donne. Et c'est aussi une grâce lorsque nous nous laissons conduire par ce Dieu et que, au temps marqué, il puisse arriver à pouvoir maintenant faire sortir en réalité aussi la chose que lui veut que nous puissions arriver à pouvoir constater et puis remarquer effectivement aussi pour que nous puissions aussi réaliser que ceci, ce qu'il a dit, c'est vraiment ça. Comme il avait dit aussi en ce temps-là, que lorsque, c'est un disciple, ses disciples, lorsque vous verrez donc Jérusalem donc environnée, donc investie, donc sachez que son heure est là, que chacun de vous qui aurait vu cela puisse s'enfuir et ne plus retourner donc en arrière. Donc les disciples étaient donc avertis et le Seigneur leur avait donné aussi des signes de reconnaissance des événements. Quand tel événement arrive, alors ils doivent prendre aussi position et aussi agir en fonction de ce que le Seigneur lui-même leur avait dit, pas en fonction de ce qu'ils peuvent penser pouvoir faire, mais d'agir comme le Seigneur leur avait donc demandé. Parce que vous savez, ils pouvaient aussi dire, voilà, on a vu l'armée romaine, bon, on va se réfugier dans nos maisons. Non, il a dit fouiller. Fouiller, c'est pas se réfugier dans la maison, mais fouiller, c'est-à-dire partez. Donc c'est aussi important pour nous aussi, lorsque
le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir prendre les Saintes Écritures, sa parole, et qu'il nous montre effectivement, il faut que nous puissions voir quelle position il veut que nous puissions adopter dans cette circonstance-là. Parce qu'on peut nous dire, mais quelle est la position juste à adopter pour que réellement que nous puissions être dans la condition telle que la chose ne puisse pas arriver à pouvoir nous arriver ainsi comme ça arrive aussi effectivement aux autres. Donc, la Bible dit que tes préceptes sont donc conseillés. La révélation donc de ta parole, effectivement, elle est claire et donne donc l'intelligence donc ou simple. Voilà, comme effectivement il dit, donc il parlait effectivement parce que les pharisiens, vous connaissez qui sont donc les pharisiens et comment donc ils étaient. Vous savez, les hommes meurent effectivement, mais les esprits non. Vous pouvez remarquer qu'effectivement que les démons et Satan lui-même, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en train de pouvoir faire ses méfaits. Mais il a eu à pouvoir utiliser aussi des hommes à l'époque. Ces hommes-là sont morts, mais ces démons-là restent toujours, effectivement. Donc, il continue toujours à infecter les gens, effectivement. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, même des jeunes frères, des jeunes sœurs, effectivement, je pense dans beaucoup d'endroits, de telle manière ou d'une autre, les gens ne comprennent pas. Et quand la parole de Dieu est vraiment prêchée, et les gens pensent qu'en fait, qu'on en a souvent à contre eux, en fait. C'est-à-dire que la parole les vise, c'est-à-dire que la personne vous vise, effectivement. Mais j'ai toujours un conseil que je vais toujours vous donner, à vous qui êtes ici. Peut-être dit, mais si vous remarquez que la parole de Dieu vous a vraiment touché et qu'il vous a repris quelque part, alors glorifiez Dieu. Ne vous attaquez jamais à la personne. Glorifiez Dieu. Parce que vraiment, c'est l'amour de Dieu à votre endroit. Oui, 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 oui. Il est important que le Seigneur nous sonde. Nous sommes de Dieu. Il faut que tu dises, Seigneur, voici mon cœur. Je te demande grâce, sonde-moi. Et si tu vois que quelque chose ne va pas, parle-moi. Et quand tu me parleras, Seigneur, montre-moi aussi comment je dois arriver à pouvoir sortir de cette situation. Parce que tu parles et aussi tu montres aussi comment faire. Alors ça, c'est la position que l'on doit faire, avoir effectivement. Donc vous voyez que les pharisiens étaient toujours des gens qui étaient tellement religieux, en fait. Lorsque j'étais au Danemark, effectivement, avec les frères de l'église, effectivement, qui est là-bas, les pasteurs aussi, qui avaient insisté pour que je puisse vraiment les rapporter la parole, comme il disait, ce que Dieu vous a mis sur votre cœur, on doit l'avoir. Je leur ai apporté la parole de Dieu pour leur démontrer la différence entre l'esprit religieux, la religion, et aussi la parole de Dieu et l'esprit, la parole de Dieu. Comment ces esprits, en fait, agissent et comment on peut reconnaître, effectivement, si on est des dieux, qu'on a l'esprit religieux, en fait. Et ça, c'était quand même quelque chose de très touchant pour moi-même, parce que j'ai eu à pouvoir découvrir par la grâce de Dieu comment, effectivement, un esprit religieux. Et il était, je remercie du Seigneur, notre Dieu, parce qu'il a dit une chose merveilleuse dans les Saintes Écritures. Il dit, il serait tellement, tellement si près, tellement près d'eux, ça serait tellement près d'eux, c'est des esprits que les élus seraient même séduits. Mais comme l'Écriture le dit aussi, c'est vraiment une grâce divine de Dieu que les élus ne seraient pas séduits. Il a dit, les élus seraient séduits, parce qu'ils seraient tellement si près. Parce que c'est comme cela qu'en fait que... et alors, beaucoup de gens pensent effectivement que ils ont l'esprit de Dieu, effectivement, et alors qu'en réalité, que c'est un esprit religieux, en réalité. Et vous pouvez voir, effectivement, comment l'esprit religieux se caractérise aussi. Et comment il arrive à pouvoir, effectivement, mais il est
tellement fin qu'il peut te faire croire que vraiment, alors là, tu es vraiment... Et c'est vrai, je donne un exemple tout simplement. Vous pouvez remarquer effectivement aussi, c'est les pharisiens ici dont on vient de lire. Vous vous rendez compte qu'effectivement, parce que même l'apôtre Paul le dit, hein, qu'il était pharisien. Donc, le pharisianisme, en fait, c'était une secte qui était tellement aussi plongée, en fait, dans les choses qui concernent Dieu. Ce n'était pas des gens qu'on pouvait trouver comme étant des voleurs, hein? Non. Avant de pouvoir manger, ils se lavaient. Ils avaient beaucoup parce qu'il fallait faire ceci pour la sainteté de ceci. Et puis, ils étaient vraiment très attachés à ce que Moïse était d'abord, parce qu'ils reconnaissaient Moïse comme étant le serviteur de Dieu. Et puis, et aussi comme c'est le Seigneur qui lui avait donné donc la loi, et cette loi qui régissait en fait aussi... l'État d'Israël, donc le peuple d'Israël, effectivement, c'est cela qui faisait d'eux aussi un peuple différent, parce qu'ils avaient donc cette parole de Dieu qui leur avait été donc donnée. Vous remarquerez très bien que ces gens, dans la population, effectivement, ils étaient vraiment craints, respectés, parce que ils vivaient d'une sainteté, en fait, selon eux, mais vraiment très bien fabriquée, en fait. Vous ne pouvez rien trouver, en fait, à redire, en fait, à un pharisien par rapport à ce que Moïse a eu à pouvoir déclarer, disons, ce que la loi a eu à pouvoir déclarer. Il était tellement rigide qu'il en faisait encore plus, encore, davantage. Et il mettait ses niveaux, effectivement, aussi pour le peuple. Mais quand le Seigneur est venu, effectivement, lui-même l'auteur de la parole, regardez bien, il leur dit de ceux-là qui étaient, en fait, les pharisiens, les conducteurs des aveugles, il me dit, mais donc, sépulcre blanchi, vous nettoyez au dehors, mais le dedans, c'est plein d'ossements, en fait, est mort. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là, ils pouvaient se rendre compte qu'ils étaient ce qu'ils étaient? Pour eux, ils pensaient qu'effectivement qu'ils servaient Dieu. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Il avait tellement, il dit, mais un zèle excessif dans la tradition de ses pères. Et pourtant, il avait un esprit religieux. Circoncis le huitième jour. Il dit encore. C'est lui qui a tenu les vêtements et qui faisait partie de ceux qui avaient participé à lapider Étienne. Vous vous souvenez, non? Et comment il avait des recommandations parce qu'il trouvait que ce sont des... Vous me suivez? C'est important, mon frère et ma soeur. Nous sommes arrivés à un temps tellement aussi particulier et difficile. Ce n'est plus le temps, en fait, où on peut se satisfaire un peu de religion, un peu de ceci. Parce qu'il s'agit de votre salut à vous. Cet homme, lui, il était convaincu. Lisez dans les Actes 20, 18, 17, 18, il était convaincu vraiment qu'il servait vraiment Dieu. C'était vraiment des disciples de Moïse, comme il les disait eux-mêmes, en tout cas, Moïse ou rien. Il s'y accrochait vraiment. Mais voilà que quand le Seigneur, notre Dieu, le regarde effectivement, comme l'autre fois dans les Saintes Écritures, dans Jean au chapitre 8, verset donc 30,
La Bible nous fait savoir que quand le Seigneur Jésus-Christ apporta ainsi la parole, plusieurs crurent. Ils ont vraiment cru, comme la Bible dit, plusieurs crurent. Maintenant, il est vraiment tellement sage dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il ne se contente pas de ce que le monde se contente. Il se contente effectivement de ce qui contente Dieu lui-même. Il faut bien que nous comprenions aussi ces choses ici, ce que le Seigneur nous a toujours donné. Je crois que notre précieux frère nous avait lu quelque part dans un psaume 65. Vous l'avez peut-être oublié, c'est normal, ça arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans ces psaumes, il a dit, il est écrit, qu'il a lu, qu'il a dit que ils étaient alors très peu nombreux. Ça veut dire que le Seigneur n'a jamais cherché la foule. Mais les hommes, oui. Parce que la foule, elle impressionne. Ouais. Ce que Dieu cherche, effectivement, ce n'est pas la quantité, mais la qualité, en fait. Dieu n'est pas intéressé par le groupe, il est intéressé par toi. C'est quand même extraordinaire. C'est Dieu grand et glorieux dont le monde, les gens dans les églises chantent et tout ça. Il ne regarde même pas ça. Mais il est intéressé par toi. C'est la vérité. C'est pour ça que lui-même aussi, il a dit, ne craignez point grand troupeau. Non, petit troupeau. Ils étaient alors très peu. N'oubliez jamais cela. Donc, quand il... Alors, il dit dans Jean, chapitre 8, verset 30, vous connaissez cela, nous le citons, il dit, mais il dit aux Juifs, à ceux qui avaient, il dit, mais si vous donc, vous demeurez dans ma parole, alors il dit, alors, vous êtes vraiment mes disciples, et puis il continue, mais vous connaîtrez donc la et la vérité vous a... Il savait qu'ils étaient esclaves, en fait. Mais regardez comment l'esprit religieux réagit. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est souvent ça la réaction, effectivement, quand la parole... Je vous ai dit l'autre fois ici... Il dit, il faut que vous puissiez faire très attention, mon frère. Quelqu'un qui se défend toujours quand on lui fait une remarque, qui veut toujours se justifier, toujours expliquer, ce n'est pas un bon signe. Je le répète encore. Soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Écoutez très bien ici. Quelqu'un qui est toujours, quand on lui fait une remarque, mais admet jamais la remarque, mais qui se justifie toujours, effectivement, il y a un problème. On lui dit que, effectivement, si vous demeurez dans ma parole, dans mes désirs, il aurait dit, mais gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Mais ils ont dit, non, non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ça veut dire qu'il y a une opposition quelque part. Allez comprendre, mon frère et ma soeur. Et puis, j'aime mon Seigneur Jésus. Et puis, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Il dit, mais je sais. Ce n'est pas à vous de m'apprendre, mais je sais pourquoi je vous parle. Vous êtes la pensée d'Abraham, bien sûr, mais oui, mais pourquoi alors vous cherchez à me faire mourir? Vous êtes dit, mais enfin, mais c'est ça que vous suivez, il est passé. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham n'a jamais discuté la parole de Dieu. Vous suivez, mon frère? C'est important, en fait. Ce sont des signes qu'on doit arriver à pouvoir voir, mon frère et ma soeur. Abraham n'a jamais discuté la parole de Dieu. Il dit, les œuvres d'Abraham, vous devez les faire, effectivement, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. Ah non! Nous n'avons qu'un seul père. Et lequel? Vous voyez, hein? Et puis ils ont dit, Dieu est notre père. Vous me suivez, frère? Cet esprit est tellement si près que
Et vous pouvez vous tromper. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Oui, c'est la vérité. Afin qu'il soit assujetti, en fait. Il faut qu'on s'arrête de pouvoir se jeter beaucoup de fleurs sur soi-même. Ça ne fera jamais du bien à notre âme, en fait. Et puis, il leur dit clairement, maintenant, il dit, bon, vous avez pour père le diable. Alors, ça a été clair, mais c'était un choc. Puis, vous souvenez comment la confrontation était effectivement. Et puis, il dit, mais, parce que si Dieu était votre père, voilà les signaux. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Si vraiment Dieu était celui que vous adorez de tout votre cœur, vous m'aimeriez. Le Seigneur, je parle ici. Vous m'aimeriez. Parce que moi, ici, je suis sorti de lui. Et vous vous souvenez, maintenant, par après, il leur dit, mais pourquoi donc vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Toujours discuter, argumenter, effectivement. Je vous ai dit quelque chose que vous devez sauter de joie si vous étiez de Dieu. Mais remarquez comment vous devenez si nerveux, ça ne vous arrange pas, parce qu'il faut que ça corresponde à votre vision, à vous, à ce que vous êtes effectivement. Bref, simplement pour que vous puissiez voir, parce que je ne peux pas aller plus loin, parce que ce n'est pas cela, mais c'est que vous puissiez comprendre qu'il est nécessaire de pouvoir vraiment voir et savoir cela. Parce que nous avons un adversaire, il est trop rusé. Il va vous faire croire une chose. Il a une capacité de pouvoir vous faire croire les choses, mais d'ailleurs, il a toujours cet avantage de le faire depuis longtemps. De toujours vous faire croire. C'est le Seigneur qui est venu nous délivrer, non? Parce que nous avons toujours cru ce qu'il disait. Dans ce monde-ci, personne ne peut me dire ici, mais il a dit, non, frère, non, non. On était tous dans sa coupe. Donc il sait que s'il nous dit comme ça, parce qu'il connaît, il allait croire effectivement. Il est toujours resté dans cette habitude-là. C'est un combat, frère et sœur, de sortir de cela pour maintenant épouser notre façon de pouvoir voir. Ah oui, ça travaille parce que restant humain, c'est pour ça. C'est pas pour rien que le Seigneur nous fait savoir qu'il est dit encore qu'il faut naître de nouveau, c'est-à-dire vraiment mourir. Alors, si nous mourons et que nous sommes morts, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui peut vous influencer étant un mort. Et Dieu te bénisse. Ça. Donc, il n'y a personne qui peut vous influencer si nous sommes morts. Vous me suivez bien? Amen. À qui va influencer? Parce que Satan ne peut plus influencer un mort. Mais maintenant, regardez ce que Dieu dit. Mais nous sommes ressuscités avec lui. Donc, nous recevons maintenant une autre vie. Et cette vie-là ne vient que de qui? Mais c'est lui qui, pour qui nous sommes ressuscités, pour lesquels? Vous comprenez? Par le baptême, nous sommes morts avec lui. Pendant que nous sommes morts, il n'y a rien qui influence. Et maintenant que nous sommes ressuscités, c'est à ce moment-là maintenant qu'on influence. Vous me suivez? Amen. Quand on est mort, il n'y a pas d'influence. Pourquoi Dieu va-t-il influencer un mort? Parce qu'on va dire, ah, le Seigneur. On me dit, mais pourquoi Dieu va influencer? On nous dit même, les séjours de mort ne peuvent même pas te louer. Vraiment. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Donc, Dieu a besoin des vivants. Amen. Donc, quand tu meurs, mon frère et ma soeur, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien enseveli. C'est pour ça qu'on nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Nous sommes donc identifiés donc à sa mort. Ça veut dire qu'à ce moment-là, plus personne. Mais quand est-ce que maintenant Dieu va commencer à t'influencer lorsqu'il te ramène maintenant à la vie? Mort avec Christ, aussi ressuscité avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Parce que le Paul là, il est mort. Maintenant c'est lui qui vit. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis influencé par l'Esprit qui vit en moi.
Vous comprenez maintenant? Donc à ce moment-là, les choses changent et on voit les choses d'une autre manière. Bon, bref, on ne va pas aller plus loin. C'est que si Dieu permet qu'une fois on est en dedans, on a... Bon, là nous avons lu donc. Les pharisiens donc lui posèrent donc les questions. Et puis demanderait effectivement, comme nous l'avons entendu, effectivement, si le Seigneur dit à ses disciples, effectivement, vous désirerez de voir un des jours. Le Fils de l'homme, effectivement, aussi. Quand on vous dira, il est là, n'y allez pas. Il est ici, n'y allez pas. Ne courez pas, parce que c'est maintenant le Seigneur, comme l'avons dit, mais Seigneur, mais tu me dis qu'on me dit qu'il est là, c'est que je n'y aille pas. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a dit. Ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures. Donc, il t'interdit ça. Il dit, mais n'y va pas là. Et ici, n'y va pas. Et ici, la nation ténèbres, n'y va pas. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, maintenant, il te montre d'abord les conditions pour lesquelles il te dit de ne pas aller là-bas. Parce que dans quel contexte il va te retrouver, effectivement, pour que tu saches et que tu comprennes quelle est la décision qu'il faut prendre. Passe pas la mienne, mais celle qui vient de Dieu, pour m'influencer dans la bonne position à pouvoir prendre. Parce que quand il dit que, quand on vous dira, ça dit que les gens viendront m'influencer. Il y aura un temps où l'influence d'un homme sera tellement si grande. Ils vont vous attirer à gauche, venir avec nous à droite, et puis là-bas, en s'agitant un peu ici, il est ici, là, là. Alors comme aussi, c'est, elle était, ben, on court effectivement. Non. Il t'adresse à toi en tant que disciple. Un disciple, c'est celui qui connaît son maître. Parce qu'on nous dit que tout disciple accompli sera comme... Alors si tu ne connais pas de maître, tu n'as pas de maître, tu seras comme qui? Vous voyez qu'il faut toujours avoir un fondement. Savoir avoir un maître dans votre vie, effectivement, de qui vous êtes disciple, en fait. C'est pour ça qu'il a dit, allez, par toute façon, faites des disciples. Pas pour eux, mais pour lui. Parce qu'il veut que nous soyons donc ses disciples. Et c'est pour ça qu'il nous a dit aussi, répétant aussi dans Jean chapitre 19, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Eh bien, il faut avoir entendu sa parole. Il faut avoir reçu son enseignement. Pour que nous puissions demeurer, effectivement. Parce qu'il n'a jamais rien dit, je vais demeurer dans quoi? C'est pourquoi que nous avons besoin de connaître ce que celui que nous avons reçu comme maître a dit. Pour que moi, je sois identifié, pas au pasteur, ni au prophète, ni à qui que ce soit, mais je dois identifier à lui. Parce qu'on a dit dans les saints, et c'est le maître qui a dit, mais tout disciple accompli sera comme le prophète, sera comme l'apôtre, sera comme le pasteur, sera comme l'évangéliste, sera comme le docteur. Non, c'est pas moi qui dis. Tout disciple accompli sera comme, et qui est notre maître? Il n'y a qu'un seul maître. C'est clair, hein? Alors effectivement, c'est... Non, nous comprenons. Alors, il nous montre effectivement aussi, afin que nous puissions comprendre, quand il nous dit quelque chose, n'y allez pas, nous plaçons les choses dans le contexte, nous comprenons pourquoi il nous dit cela, parce que ce n'est pas dans tout bout de champ comme ça. Et il nous a placés effectivement dans le contexte. Alors, nous retournons dans Luc que nous avons lu. Alors, il dit ici, et verset, pardon, 17, voilà. Alors, il dit... Voilà. Verset 23 dit, on vous dira, il est ici et il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Bon, il y a eu beaucoup d'explications et beaucoup d'interprétations qui ont été données effectivement en rapport avec le Luc du 7. Bon, je ne vais pas rentrer... là-dedans, des polémiques inutiles, ça ne sert à rien. Mais si nous regardons bien les scènes d'Écriture, il est bien parlé du Fils de l'homme. Et surtout que pour votre compréhension des choses aussi, un prophète est un fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours le Fils de l'homme avec un F minuscule.
un fils de l'homme. Mais quand il s'agit du fils de l'homme, c'est-à-dire avec le F majuscule, il n'y en a pas deux. Il ne pourra pas y en avoir trois. Mais il n'y en a qu'un seul. Le fils de l'homme. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Opérant effectivement aussi lui-même. Il dit, mais, parce qu'il dit aussi, verset 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc ici, il parle à lui-même, de lui-même, effectivement. Vous vous souvenez, non? Maintenant, il dit, maintenant, mais c'est qui? Il place maintenant le contexte. C'est qui arriva du temps de Noé? Parce que vous remarquez très bien que ici, il nous dit, verset 22, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. » Vous suivez? Et puis il dit, « On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. » L'un des jours du Fils de l'homme. Vous suivez? Après, il nous explique, mais car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26, il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Vous avez remarqué que c'est toujours au pluriel. Vous remarquez? Vous avez vos Bibles avec vous, non? C'est pour ça que j'ai toujours dit, frères et sœurs, quand je lis dans les Saintes Écritures, il est important que vous lisez vous aussi et que vous voyez. C'est comme ça qu'on avance ensemble. C'est important, vraiment. Sœurs, si vous n'avez pas les Bibles, levez la main, les diacres ont des Bibles là-bas, ils vous donnent, lisez, c'est pour votre bien. Alors il dit, ce qui arriva, parce que le temps de Noé arrivera de même aussi au jour du Fils de l'homme. Les hommes, verset 27, mangez, buvez, se mariez et mariez leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent, et les fit tous périr. Vous connaissez cela dans les Saintes Écritures. Cela s'est passé effectivement dans le livre de Genèse au chapitre 6. Tout le monde connaît effectivement aussi cet événement-là, et la terre aussi, la science aussi, tout ce qui est sur les hommes sur la terre, reconnaissent que cet événement est vrai et ça s'est passé. Le déluge que Dieu avait donc déclaré, en fait, auquel les hommes, effectivement, sur la terre, n'avaient pas cru. Écoutez bien, très bien, frères et sœurs, ils étaient alors très peu, ils étaient très nombreux, donc, les hommes à cette époque-là. Mais regardez bien comme l'Écriture définit et dit, au jour, donc, en ce temps-là, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup de gens, effectivement, sur la terre. Mais lorsque Dieu avait décidé de pouvoir détruire la terre et tout ce qui était effectivement ainsi de suite, combien donc furent donc sauvés à cette époque-là en réalité? Parce que si nous pensons que Dieu s'intéresse à la foule, je crois qu'il aurait vraiment choisi du côté de la foule pour sauver la foule. Pensez-vous que Dieu change sa façon de faire? Parce que s'il pouvait changer, il allait nous démontrer ça aussi là-bas de l'autre côté. Dieu ne peut pas changer sa façon de faire. Alors, en ces temps-là, il a donné l'occasion aux hommes. Et pourtant, il avait déjà dit qu'ayant vu ce qu'il a vu, il avait décidé en lui-même de détruire tout sur la terre. Les hommes et tout ce qui était sur la terre. Mais la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, qu'il y a un homme. Un seul homme. Du nom de Noé. Parmi tout ce qui était comme était là sur la terre, il dit que Noé
trouva grâce aux yeux de... Bien sûr. Pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Et pourtant, il y avait des milliers sur la terre. C'est pour ça, frères et sœurs, ne vous comparez pas. Et surtout, c'est ça le problème aussi. L'influence du monde, effectivement. On veut copier le monde. On veut la mode. Parce que le monde a une puissance qui influence. C'est pour ça qu'on parle, qu'il dit, à celui qui vaincra. Frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par ces vents-là. Il est nécessaire que tu puisses savoir quelle est ta position. Donc on dit que Noé, un seul homme, trouva grâce aux yeux de Dieu lui-même. Et pour quelle raison il a trouvé grâce, effectivement? Parce qu'il dit, mais Noé en son temps, donc pendant le temps qu'il vivait, comme le Dieu effectivement vivait, effectivement, il dit, mais Noé en son temps craignait Dieu et il était intègre. Donc effectivement, mon frère, ma soeur, même dans un monde aujourd'hui où nous sommes, tu peux aussi craindre Dieu. Et aussi être aussi intègre, ma soeur. Pas trouver des raisons. Je ne sais pas trouver des vêtements comme ça. Non, tu peux trouver. Amen. Tu n'as pas besoin de chirurgie. Non. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Nous allons entrer là-dedans. Mais c'est nécessaire. Ne vous trouvez pas des raisons, mon frère, d'entrer dans ce que Satan est en train de pouvoir donner, effectivement. Comme... Oui, bien sûr. Il ouvre la porte, mais il est malin. Vous ne vous rendez pas compte. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'en son temps, voit ce qu'il ne va pas dire, ah frère, c'est aujourd'hui c'est tellement difficile, je n'en peux plus. Mais il y a eu aussi des gens comme toi. C'était pas seulement la critique d'une seule personne, mais tout un peuple, le monde qui était contre lui en fait. Oui. Mais malgré cette pression qui venait du monde, effectivement, la Bible dit la crainte de l'Éternel. Et le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce que mon frère et ma soeur, tu peux tenir là-dedans aussi? C'est ça le problème. Et puis on nous dit qu'effectivement, il était intègre. Voyez-vous que Dieu a toujours dans chaque période, dans chaque génération, toujours un peuple, ou même une personne, qui doit démontrer que Dieu est vrai. Oui. Et voilà que la Bible nous fait comprendre que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et sa famille aussi. Comme ça aussi. Donc parmi tous ces hommes-là, 8 donc furent donc sauvés. C'est 8. Je pense que je ne me trompe pas, mais c'est 8. 8, c'est vraiment un petit nombre. Et pourtant, il y en avait des milliers. Si Dieu était intéressé par la foule, eh ben, il aurait quand même choisi les milliers. Mais là, il a pris en fait le 8. Mais regardez, la partie suivante, il nous dit, parce que je ne vais pas rester longtemps, mais je veux que vous puissiez voir cela. Il nous dit ici, ce qui arriva donc, verset 28, du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et puis il continue. Maintenant, on se pose aussi la question de savoir si qui est d'accord. Parce que il est parlé de Noé, du temps de Noé, et il est parlé aussi du jour de Lot aussi, effectivement. Parlant des deux déluges d'un côté et puis aussi le feu souffre effectivement ainsi. Alors, je ne sais pas, mon frère et ma sœur, si lorsque nous avons lu ces Écritures, vous avez prêté vraiment attention. Ce que je vous disais tout à l'heure, parce que vous me regardez, vous me suivez, j'ai dit, lisez donc la Bible. Quand je lis les Saintes Écritures, vous devez aussi lire. Parce que le Seigneur ne parle jamais pour rien. Il ne fait pas déclaration pour rien, il fait une déclaration précise et il sait pour quelle raison. Il dit cela et pourquoi il a eu à pouvoir citer ce que vous venez de pouvoir lire. Alors la question de savoir, votre attention, avez-vous remarqué quelque chose? Lorsque nous avons lu ces écritures ici, verset 26, verset 27, verset 28 et puis on arrive au verset 29.
Regardez bien, très bien, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien comprendre cela. Bon. Mais je vais vous mettre sur la voie pour que vous puissiez voir. On nous a dit ce qui arrivera. Ce qui arrivera du temps de Noé. Arrivera aussi pareillement. N'est-ce pas? Et c'est le Seigneur lui maintenant qui nous dit ce qui était arrivé du temps de Noé. Qui a conduit Dieu à pouvoir être dans une colère terrible. Pour dire que je vais tout détruire. C'est quoi? Il nous dit. Ah, c'est un heureux de dire, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, l'énergie vint et il fit tous périr. Donc personne ne s'est préoccupé de ce que Dieu disait. De ce que Noé parlait, effectivement. Non, ils étaient occupés dans leur business. Mais non, regardez très bien, frère, ce qui est très important, c'est important. Il dit qu'on voit d'abord comment était effectivement, Dieu a décrit effectivement, comment les gens étaient effectivement. Alors il a mentionné quelque chose. Dans Genèse chapitre 6, nous allons le trouver. Regardez. Genèse au chapitre 6. Voilà. Regardez très bien. Genèse 6, verset 1, il dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Si nous prenons dans Genèse au chapitre 1, je pense à cela aussi. Genèse 1, verset 26, il dit. Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Donc, vous entendez, non? Au pluriel, hein? Dieu les bénit et Dieu leur dit, vous entendez bien, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la subissez et dominez sur le poisson, ainsi de suite. Donc ici, il dit bien, remplissez, donc multipliez et soyez féconds, multipliez. Donc la stérilité ne vient jamais de Dieu. Vous comprenez d'abord, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, toi mon frère, toi ma soeur, quand le diable vient frapper à ta porte et qu'il veut te rendre sec comme un arbre, toi, ma soeur, sèche comme un arbre aussi, toi, tu as le droit de pouvoir dire quand Dieu... Parce que, vous savez, frères et sœurs, si tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit et tu restes accroché là-dessus, le Dieu est le Dieu de sa parole. Il va te donner. Bien sûr. Il va, c'est ce qu'il dit, mais parce que c'est moi qui ai dit, je n'ai pas dit que toi tu devais être stérile. Non! C'est pour ça qu'effectivement, qu'il a rendu Sarah féconde. Amen, amen. Bien sûr, monsieur. Amen. Bien sûr. Je ne sais pas, mais c'est nécessaire. Mon frère et ma soeur, Dieu nous instruit pour que nous ne soyons pas un peuple qui avance sans savoir où il va, ni avec qui il va. Sinon. Amen, amen. Dans quel ciel, toi, tu vas aller? Si tu ne sais même pas où tu veux aller, où tu vas. Parce qu'il a dit même à toi, il dit, mais vous savez où je vais. Tu n'as pas dit, Seigneur, je ne sais pas. Non, mais toi, tu sais où je vais. Nous avons dit, mais tu connais le chemin aussi. Dieu ne peut pas nous laisser dans les ténèbres. Comme on dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Mais ça ne soit pas des théories pour vous, mon frère et ma soeur. Quand Dieu nous parle, c'est les choses qu'on doit vivre avec. Parce que dans ce monde où nous sommes, si vous n'acceptez pas cela, vous verrez que vous ne changerez pas. Et les combats encore, pire encore, parce que Satan vous tiendra. Mais c'est vrai, frère. Dieu te donne, toi, ma soeur, toi, mon frère, à nous tous, des armes nécessaires. Quelle autre arme que tu veux que Dieu te donne? Parce que...
Si vous voulez que... Et puis on va retourner ici, parce qu'on n'a pas... On doit avancer, effectivement, ça. Regardez très bien. Satan est venu pour combattre qui, ça? Mais le Seigneur lui-même. Il est venu en quoi? Il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé comme arme? La force? Non. Il a utilisé la parole de Dieu. Il dit, il est aussi écrit. Donc, lui, il savait la parole qui le concernait. Et toi, tu dois savoir qu'effectivement, c'est ton ignorance, effectivement, qui fait que Satan fait n'importe quoi. Nous l'avons lu avec vous, je pense, c'était mardi. Nous savons, du reste, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si nous avons compris, ça veut dire que même quand un problème aussi immense nous tombe dessus, ensuite, on m'a dit, mais Seigneur, comment puis-tu sortir de la relève? Il dit, non, Seigneur, tu as dit, nous savons, donc je dois savoir. Moi, je suis au courant que tout ce qui m'a arrivé, c'est pour ta gloire à toi, c'est pour mon bien, moi. Et puis, tu m'as dit, plus loin, dit, mais tout a avancé contre toi. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu nous parle, mon frère? Pas pour augmenter la connaissance, mais avoir, vivre selon la parole de Dieu, avoir les armes nécessaires. Parce qu'on va venir te secouer à gauche et à droite. Il dit, même si je ne vois pas, mais on m'a dit ça. Aussi longtemps que je demeure là-dedans, Dieu du ciel, tu me défendras. Bien sûr, mon frère. Autrement, pourquoi on prêcherait la parole? Pour vous faire plaisir? Moi, je n'ai pas le temps de vous faire plaisir. Déjà, c'est difficile, c'est dur, vous ne savez pas par quoi je passe. Mais pour vous faire plaisir à vous. Non, monsieur. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Oh, mais on vous donne ce qui est nécessaire. Prenez la chose, effectivement. Mais mon frère, Dieu est capable de faire tout. Si ce n'est pas moi. Vous allez toujours qu'on vient vous mettre les dans la bouche. Hein, dans le... Mais non, Dieu t'a donné, effectivement, la possibilité de voir tout ce que tu as besoin. Frère. Pourquoi on veut toujours être assisté? Il faut aussi qu'on assiste les autres. Non, c'est la vérité, cela. Moi, je vais t'assister, toi aussi, tu m'assistes. C'est comme ça que l'église, hein, il n'y avait pas de ceux qui étaient, ah, assistez-moi. Non. Pour tout un chacun de nous. Il dit, mais non, 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 mon frère, je dois faire, parce que pourquoi? Chacun court après la bénédiction de Dieu. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, Seigneur, je vais donner. Amen. Amen. Ah, je cite les noms des gens ici, on va dire, frère. Mais c'est vrai, frère. Il y en a de ceux qui ont compris. Oui, frère, c'est ça. C'est-à-dire que, oh, je ne sais pas pourquoi je suis dans l'entre parenthèse, mais c'est entre parenthèses. Quand vous, frère, ma soeur, tout ça, vous êtes toujours comme ça, et pour ouvrir comme ça, il faut même que tu aies les sangs, parce qu'on doit forcer les déterminants pour qu'on puisse tirer, tu n'auras jamais rien. C'est ce que je vous dis. Celui qui retient le blé sera maudit. Bref. Mais celui qui d'un oué sera béni. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, en fait. J'ai dit, si nous l'avons dit, je reviens ici, parce que c'est important que nous ne faisons pas. J'ai dit toujours, regardez très bien, et je prie Dieu, je pleure toujours, j'ai dit, acte chapitre 2. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, qu'on ne soit pas des aveugles. Personne n'a dit à ces hommes-là, va, prends et puis donne. Et à l'autre, il a dit, prends aussi, donne. Non, personne. La parole de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui reçurent de bon cœur sa parole. Quand tu as la parole de Dieu, il n'y a pas de frein. Pour ouvrir ton cœur, pour donner, il n'y a pas de frein. Tu ne retiens rien. Quand tu voyais que je n'avais plus, effectivement, il me dit, mais je pense que l'autre n'en a pas dit, mais je vais plus dire, oh, il n'a pas ça. Frère et soeur, c'est tellement beau l'amour de Dieu. Mais avec le temps, tourne de cœur. Chacun veut voir son intérêt. Son intérêt. Pourquoi ne voyez-vous pas l'intérêt de tous quand même? Oui, ce que Dieu nous aide. Toujours, je ne sais pas, mais je ne sais même pas comment pouvoir parler.
Ce n'est pas les gens, il y a des personnes qui ont fait des associations avec des démons. On a beau prêcher la parole, on a beau dire, puis retourne, je ne sais pas comment, quel plaisir trouvez-vous à faire. Parce que ces démons-là, ils vont vous ronger. Vous dire, ah, et, parce que la parole de Dieu, regardez très bien, je reviens ici. Ah frère, oh sœur, frère, comme ça, il faut revenir, il faut que tu toujours, ah, il faut qu'on me voie. Eh bien, ce démon-là va tellement s'accrocher à toi que tu auras maintenant la difficulté de pouvoir retourner. Je ne sais pas si c'est là-bas où j'ai dit, ou pays ici, je me dis, mais vous savez, je ne sais pas si c'est ici, je crois que je cite. Il dit, Dieu parle tantôt, deux fois, trois fois. Non. Et puis, je ne sais pas si c'était ici, mais il dit, mais c'est comme au temps du jubilé. Les jubilés programmés. Tu es toujours accroché à ton caractère fou, là. Et tout ça. On te dit, au tas de. La Bible te fait comprendre, mais mon frère, ma soeur, sors de là, non. Tu es toujours avec elle. On te sort la pile. Pas de problème. Mais une fois, deux fois, trois fois. Après un moment, Dieu ne te parle plus. Donc tu es déjà allé au-delà de la grâce. On pourra maintenant faire des sermons qui descend, ou Dieu même descend, ici les professions d'antan, le cœur est toujours enfermé. Alors, vous savez, quand on est arrivé à ce stade-là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Est-ce que tu as même regardé la personne qui a prophétisé, là, vraiment, et l'égo, mon frère, ma soeur? Dieu vous étonnera. C'est ça le problème, parce que tu risques de pouvoir blasphémer en pensant que tu as la connaissance spirituelle de la chose. Mais c'est Dieu qui parle et tu blasphèmes. Mais quand tu as blasphémé, qui peut encore te pardonner? Donc faites attention. Il parle une fois, deux fois, trois fois. Ah bah, si tu ne vas pas, le diable dit, maintenant je lui marque, maintenant il aime tellement les crayons, je lui marque avec les crayons. Tu ne pourras plus t'en sortir avec, tu vivras avec les crayons. Je donne un exemple, hein, c'est pour comme ça. Tu mourras avec les crayons. Et quand tu meurs avec les crayons, il te reçoit directement. Ah oui! Alors il dit, verset 28, Dieu le bénit, donc Dieu dit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ainsi, et là, sujet. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour que multiplie. Vous vous souvenez ce que dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, vous ne vous souvenez pas, mais on va les lire avec vous ici pour que vous puissiez voir quelque chose. Matthieu au chapitre 19. Vous pouvez tenir encore? Amen. Vous voulez qu'on continue, non? Amen. Matthieu chapitre 19. Verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta donc la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, vous vous souvenez, non? Toujours les pharisiens. Hein? Les pharisiens, parce que les pharisiens, ils n'y croyaient pas. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Tout ça, c'était pour pouvoir chercher un pouvoir, dire au peuple qu'il n'est pas comme Moïse. Il ne fait pas les choses comme Moïse. Maintenant, écoutez la réponse. Il répondit, n'avez-vous pas lu? Il n'a pas lu autre chose. Hein? Il ramène toujours où c'est aux Écritures. Ne savez-vous pas qu'il était guidon? C'est toujours ramené aux Écritures. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Vous m'avez bien entendu? Donc, il n'a pas fait seulement l'homme. Amen, amen. Non. Il a fait aussi la femme. Amen. Donc, qui peut changer cela? Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. Maintenant, il continue en disant qu'il défie donc le créateur, hein, j'aime bien cela qu'on dit. Le créateur au commencement fit l'homme et la femme, le créateur. Et qu'il dit, lui, hein, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Vous avez entendu bien? L'homme doit s'attacher à sa femme et les deux deviendront qui? Une?
une seule. Vous avez vos Bibles, non? Maintenant, écoutez la suivante. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont donc une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a. Donc, c'est Dieu qui a uni l'homme et la femme. Donc, le mariage vient donc de qui? De Dieu. Voilà! Pas de bourgmestre, pas de directeur, pas de... Non! Le mariage, écoutez très bien, c'est important ce que nous avons besoin. Le mariage vient donc de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui a uni Adam et Ève, monsieur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu les bénit. Ce que Dieu a donc joint, qu'il a uni, donc c'est ce que Dieu bénit. Vous nous suivez bien. Vous voyez comment est-ce que Dieu a eu à pouvoir procéder pour cette union-là, n'est-ce pas vrai? Vous me suivez bien? Alors, maintenant, prenons dans Genèse chapitre 6. Verset 1, on nous dit... Lorsque, vous y êtes, hein? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Comment est-ce qu'ils se multipliaient sur la face de la terre? Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce que les hommes se multipliaient sur la terre? Parce qu'il n'y avait qu'un seul homme. Une seule femme. Vous me suivez, sœur, frère. Vous savez, je vais voir aussi votre attention. Quand je vois, alors c'est comme si vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est quand vous faites comme ça, alors vous, le Seigneur fait sentir qu'il faut arrêter. Alors je me pose la question de savoir, vous êtes ici? Amen. Vous voulez que. Parce que, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, je ne vous oblige pas à rester ici. Je ne vous oblige pas à pouvoir écouter. Alors, si vous vous sentez que vous êtes... Parce qu'il ne faut pas adopter des comportements qui font qu'en fait, que le Saint-Esprit se sente un peu. Et bien, oui, oui, frère, parce que si vous ne voulez pas rester là, vous pouvez sortir, aller passer votre temps dehors. Je resterai même avec deux ou trois, passer enregistré. Et puis, il y en a de ceux qui sont aussi lointains, qui veulent écouter. Alors, si vous adoptez des comportements qui aigrissent, effectivement, qu'on doit arrêter, vous empêchez aussi les autres de vous écouter, parce que ceux qui sont aussi connectés ont besoin de vous comprendre. Peut-être qu'il est dans leur situation de vie, il se passe quelque chose de comme ça, il veut savoir. Alors, c'est pour ça que je vous en supplie, vous, si vous vous sentez que vous n'êtes pas concerné, vous sortez, vous pouvez partir, les biens ne vont pas vous déranger. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Merci. Alors, il dit, donc, commence donc à se multiplier sur la face de la terre et que les filles disent, sur la face. Je me pose la question, mais comment est-ce qu'ils ont pu commencer à se multiplier? Parce que quand Dieu a créé l'homme, la femme, il leur a dit, soyez... Ah ah! Et multiplier, et ah, mais c'est pas. C'est quand on est fécond qu'on peut multiplier, non? Amen. Vous comprenez, non? Amen. C'est comme ça que ça commence. On est arrivé très bien maintenant. Et dis donc, à ce qu'il dit, tu vas dire à Flatin, dit, et que des filles leur furent nées. Vous comprenez, non? Les fils de Dieu, c'est clair, hein? Bien dit clairement. Le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors maintenant, c'est quoi qui se passe? Là, dans la Genèse, effectivement, nous avons remarqué que c'est Dieu qui a dit d'abord qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis... On n'a pas vu Adam se mettre debout, effectivement, commencer à regarder. Je vois là parce que je vais commencer à pouvoir faire un peu le choix parmi eux. Est-ce que vous me suivez bien? Je parle bien de la Genèse. Les commencements de tout. Vous me comprenez? Merci beaucoup. Adam s'occupait tout simplement des choses de son père. Et quand je parle de père, ce n'est pas le père naturel là. Parce qu'il ne faut pas maintenant qu'on extrapole, qu'on va changer. J'ai dit, restez dans l'esprit dans lequel nous sommes maintenant là. Voilà. Comme il s'occupait des choses de son père, donc Dieu lui-même.
Il n'avait pas de cauchemar dans la pensée, Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui veut maintenant faire quelque chose pour son fils Adam. C'est qu'il veut choisir. Parce que ce n'est pas Adam qui a choisi. Est-ce que vous me comprenez? Ah, c'est la nature d'un fils de Dieu. Donc ce n'est pas, est-ce que vous me comprenez, frère? Ce n'est pas Adam qui a fait son choix. Mais c'est bien Dieu qui a fait les choix pour Adam. Est-ce vrai ou pas? C'est biblique ou pas? C'est bien biblique parce que quand Dieu a retiré une partie de lui s'endormait, il ne savait rien. Le travail que Dieu fait, parce que c'était un sommeil profond. Et puis quand Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre, Dieu lui-même, il vient lui présenter la femme. Vous suivez ou? C'est Dieu qui amena Ève à Adam, non? C'est pour ça qu'il se réveilla de son sommeil. Il voit devant lui. Alors, hors de lui-même, il s'écria. Vas-y donc, celle qui est hausse de mes os. Chère de ma chair. Et puis il cria et disait, non, on l'appellera femme, parce que vas-y donc. Et l'homme quittera son père et sa mère, c'est Adam. Vous avez remarqué, quand on a l'Esprit de Dieu, on va, c'est extraordinaire. Hein, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous avez, mais remarquez très bien, c'est Adam qui l'a crié. S'attachera à sa femme. Mais quand nous avons lu dans Matthieu, chapitre 19, on a dit les créateurs. Les créateurs. Donc cet Adam-là avait l'esprit de son père. Il ne pouvait pas avoir des choses tout à fait. Non, non, non. Ce que son père désirait, ce que son père voulait de lui, c'était donc la volonté de son père était en lui aussi. Donc c'était Dieu qui faisait donc le choix et qui a fait le choix. Évidemment. Il a donné effectivement la personne qu'il faut. Maintenant, regardez dans Genèse chapitre 6. On a bien insisté. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai comme l'impression qu'il faudrait bien que j'arrête. Peut-être. Non. Oui, parce que. Non, parce que je sens quelque chose qui n'est pas bien. C'est vrai, je ne sais pas moi où j'en sais rien. Ou soit ça vous dérange, vous ne voulez pas qu'on aille dedans. Ou vous avez peur de quelque chose. Ça, c'est absolument rien. Mais je me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment là? Amen. Jeune fille, vous êtes ici? Voilà. Bon, alors, on nous dit, dans Genèse chapitre 6, on nous dit ici, regardez très bien. Et que des filles leur furent nées, verset 10, mais le fils de Dieu, quand on dit le fils de Dieu, ce sont bien les fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, vie que les filles des hommes. Quelle différence? On pouvait dire, vire que les filles de Dieu. Vous remarquez bien. On a bien parlé des fils de Dieu. On aurait pu dire, maintenant, vire que les filles de Dieu. Non, on nous a dit bien, vire que les filles des hommes. C'est qu'il y a quelque chose. Oui, oh, c'est merveilleux. C'est important et c'est profond, mon frère. Souvenez-vous que nous avons lu dans Luc chapitre 17, et nous sommes ramenés à ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Que les filles des hommes étaient belles. Alors, vous voyez, quelque part, quelque chose s'est passé, ce qui ne s'était pas passé avec Adam. Quand Adam se réveille, il n'a pas dit, oh, beauté de beauté. Non, non, non. Et vous savez, vous comprenez, non, non. Parce que quand il a regardé Ève,
Il n'a pas dit beauté de beauté, superbe beauté. Ah, je prie que Dieu nous aide. Frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici 11 de mes os. Il n'a pas parlé d'une beauté quelque part. Parce que ses yeux n'ont pas vu une beauté, mais il a vu 11 de ses os, la chair de sa chair. Aïe, 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 que Dieu nous aide. Oui, mon frère, que Dieu vraiment nous aide. Mais quand ils ont changé, lorsqu'ils voient les saucisses, bien saucissonnées, ça c'est la vérité, frère. Vous me dites, ah, frère Léonard, oui, que Dieu te bénisse, saucissonnées. Et puis qui va de pied va et vient à gauche et à droite, et pas plus loin toujours. Vous êtes comme une abeille qui est là. Qui va partir? Ah oui. C'est pour ça que je suis toujours eu à pouvoir dire, ma soeur, je parle des frères, je dis, ma soeur, ne te vends pas comme une viande pourrie sur un étalage de marché et qui n'a pas trouvé de clients et qu'on doit brader les prix. Les filles de Dieu doivent être honorables. Amen. Ce sont celles qui sont sur la, dans la rue là-bas, qui n'ont pas encore trouvé des clients, des acheteurs, effectivement, mais viennent alors, ils doivent faire tout. Ils vont même jusqu'à pouvoir enlever ce qu'ils ne vont même pas enlever. Parce que si ce même esprit maintenant vous frappe, alors, ouf, dans quelle catégorie on doit vous placer? Vous vouliez un mariage et divorce, non? Amen. Vous voyez que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez que ça devient lourd. Pour pouvoir écouter, supporter. Je vous l'avais dit. Hein. J'ai dit, mon frère. Il a dit, Dieu, Dieu sait, hein, il savait pourquoi. Alors, il nous dit bien, les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Vous voyez bien la différence entre fils de Dieu, parce qu'Adam était un fils de Dieu. Sa nature et sa façon de pouvoir penser, malgré qu'il était en présence de la femme que Dieu lui donnait, effectivement, c'est qu'il a montré, c'est qu'il l'a regardé, mais il est toujours resté spirituel. La parole de Dieu toujours dans son âme. Parce que ce qu'il a prononcé, dit, et l'homme quittera son père et sa mère, c'est Dieu qui parlait. Amen. Il n'a pas perdu le contrôle. Oh, on voit comme dire, non, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on est ensemble, on devient. Il n'a pas perdu le contrôle. Amen. Yeah. Nous avons besoin d'apprendre. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Me dites, frère, parce que ce ne serait pas bon pour toi, pour moi aussi. C'est pour notre bien que Dieu nous instruit. Il nous montre le caractère véritable d'un fils de Dieu et aussi d'une fille de Dieu. La position à laquelle on doit se tenir, en fait, dans. Regardez maintenant ce qui se passe. Et quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis en fait de leur état spirituel. Il y a eu ce qu'on appelle une sorte d'amnésie spirituelle. Vous me suivez? Amen.
L'amnésie s'est installée. Ce n'était pas ce que Adam a fait. Vous allez voir. Parce qu'ici, on nous dit quoi? Eh bien, ils en prirent, donc ils prirent pour femme parmi toutes celles qui font, quoi? Qui choisirent. Ce n'est plus Dieu qui a fait le choix. Ce sont eux qui ont choisi maintenant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les mélanges. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui a fait le choix et qui devait faire le choix pour eux, parce que un fils de Dieu doit être attaché à son père. Vous m'entendez bien? Amen. Tu es un fils de Dieu, tu as un père, ton père est Dieu. Amen. Donc c'est Dieu, ton père, qui doit faire le choix. Pour quelle raison? Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. C'est pour ça, sœur qui est jeune, ne vous livrez pas de choses inutiles. Vous valez plus que ce que les gens peuvent penser de vous, en fait. Étant une fille de Dieu, vous êtes des princesses de Dieu. Votre Dieu est jaloux, votre père est jaloux. Ne perdez pas votre temps. Ah, parce que, il y en a là, votre âge avance. Ne regardez pas l'âge, parce qu'en fait, c'est lui qui est votre père, c'est celui qui a déterminé les âges. Parce qu'à cause de la pression que vous pouvez recevoir des maisons, des grands-parents, c'est absolument rien, vous pouvez être livré à la prostitution pour des bêtises. Ne vendez jamais rien parce que vous êtes à Dieu. Et Dieu est tellement aussi plus précieuse et aussi honorable. C'est important. Nous aimons Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Si vraiment le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans le mariage et divorcer. Sœur, suivez-moi ici, s'il vous plaît. Vous pensez avoir tout compris et saisi tout, on en apprendra davantage. Amen. Ça, c'est vrai, frère. Et on pourra prendre du temps de pouvoir s'asseoir vraiment. Ah oui, mais on fait sa volonté, ce qu'il veut. Il sait aussi très bien à quel niveau vous êtes. Il est vraiment extraordinaire. Alors, il nous donne des portions, simplement, que nous puissions comprendre. Il faut qu'il y ait vraiment un changement dans lequel on dit, nous sommes au bien Seigneur, nous voici prêts à pouvoir obéir. Parce que c'est là les démons qui s'agitent, effectivement. Bon, bref, tournons aussi vite. Regardez très bien. Il dit, ils en choisirent donc de ceux, des femmes qui choisirent eux-mêmes. Ils ont fait donc le choix. Tant c'était des fils de Dieu, non. Et ils devaient rester effectivement dans la lignée comme Dieu le voulait. Pas faire leur choix, mais Dieu devait choisir. Et l'Écriture nous dit, dans la suite, il dit, ah, lors l'Éternel dit, parce qu'il a vu ce qui vient de se passer, qu'il vient de lire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. On lui dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que, vous suivez maintenant? Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Est-ce que vous avez remarqué? Ça produit autre chose, parce que Dieu n'avait pas créé Adam comme un géant. Ah, vous me voyez? Parce que, ah oui, j'ai un micro ici parce qu'on dit quand vous éloignez le micro, on ne vous entend pas parce qu'ils sont en connexion. On a précisé que des géants étaient sur la terre. Vous comprenez bien que, quand est-ce que, après que le Fils de Dieu.
quand on parle de fils de Dieu, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on parle maintenant des filles des hommes, ce sont ceux qui ont l'Esprit des fils, l'Esprit de qui? C'est la descendance de Caïn. Tiago. Quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? C'est ce que la Bible nous dit, non? Et là, Dieu prit donc la décision de pouvoir tout détruire. Vous me suivez, mon frère, dans le fond et ici, parce que je veux m'arrêter, mais c'est nécessaire. Je parle à cela à tous mes frères qui sont jeunes, mes soeurs qui sont jeunes, à ceux qui sont un peu âgés, un peu plus âgés, un peu encore plus âgés. Parce que c'est souvent ça qui sont moins âgés, moins âgés. Ils vont dire, ah, toi, jeune fille, ah, ma soeur, madame, ils vont peut-être voir la maman. Et puis, mais ta fille est toujours pas à la maison, toujours, il n'y a rien, maman. Et puis, ça réveille l'esprit de la maman et commence à regarder la fille, devient nerveuse. Mais toi aussi, tu n'as personne. Et vous poussez quoi, ça? Vous poussez les enfants à pouvoir aller voir les choses qu'il ne faut pas voir. Et qui va porter la responsabilité? Toi, la soeur. Alors Dieu, suite à cela, il prit donc la décision. Là, on nous a dit bien qu'ils prirent pour femmes, les filles des hommes, celles qu'ils choisirent, n'est-ce pas vrai? C'est-à-dire que c'était donc des unions libres. Puisque Dieu n'était pas là-dedans. Donc on a fait des choix comme on devait, parce que Dieu n'est pas dedans, il n'est pas invité dedans. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, je vais m'arrêter, je ne vais pas rentrer plus loin, mais je vais peut-être vous laisser un peu partir, je vais vous montrer quelque chose avant de vous laisser partir. C'est important, vous prêtez attention. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que dans Luc au chapitre 17, le Seigneur en parlant, il a dit, parce que quand il parle, effectivement, il parle en réalité pour la fin des temps. Vous direz, frère et sœur, mais il dit, mais deux seront dans un lit, l'un sera pris. L'enlèvement, ça ne va pas se passer à l'époque là-bas, c'est maintenant. C'est écrit, non? Maintenant, regardez comment il spécifie. Puis je vais m'arrêter pour le laisser partir chez vous. Regardez vraiment comment il dit, effectivement, là, c'est au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous suivez? Verset, au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous avez remarqué? Dans ces versets ici, il a parlé du mariage. Au temps de Noé. Et vous avez vu de quel mariage c'était, non? Est-ce que vous me suivez? Amen. Avec des filles, des hommes qui étaient devenus tellement... Je vous pose un peu la question de pouvoir savoir. Est-ce que vraiment, dans cette génération dans laquelle nous sommes, il y a vraiment une femme moche? Aujourd'hui, parce qu'ils aiment bien se saucissonner. Même si on est saucissonné, parfois si on est comme ça, la chirurgie va faire comme ça. Vous me suivez? Il ne faut pas être honteux parce que vous vivez avec. Vous entendez, non? Telle est partie là-bas, on a pompé ici. On a pompé là et puis on a injecté là. Et pourtant, il était comme ça. On a pompé, ça fait comme ça, comme ça. Et le Fils de Dieu dans tout ça,
Les yeux qui tournent comme ça. Et vous saviez que dans cette... Dans cet temps où nous vivons, on ne parle plus de mari et femme, hein, partenaire. Un jour, j'entendais ça, j'entendais les noms de votre partenaire. Moi, j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, je n'ai pas de partenaire, moi. Les noms, mais on voulait savoir, monsieur, les noms de votre partenaire. J'ai dit, madame, je n'ai pas de partenaire, moi. J'ai ma femme. Vous vivez ça, non? Vous pouvez aujourd'hui, vous prenez celle que vous voulez, vous vous asseyez, la commune dit, bon, comment on s'appelle encore, il y a une expression là pour cohabitation, vous savez, non? Ah, tu cohabites avec qui? Moi, je ne cohabite pas, moi, je vis avec. Ça vous semble, c'est pas comme ça, mais c'est cela. En fait, là, quand le Seigneur a parlé du mariage ainsi, il a parlé effectivement de l'homme et de la femme. Maintenant, ce que je voulais que vous puissiez voir ici, il est précis. Maintenant, regardons les versets suivants. Regardez. Dans Luc 17. Il nous dit, c'est ce qu'on a dit avant du temps de Noé, hein? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entend dans l'arche, les déluges vins et les tout peut se faire. Vous vous souvenez, non? Maintenant, verset 28, je vais m'arrêter là. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Maintenant, prêtez attention. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les verbes mariés ne se trouvent pas. Oui, là-dedans, il n'y a pas de verbe marié ou marier, se marier. Non! Pour quelle raison? Genèse chapitre 19. Genèse 19, verset 1, il nous dit. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. C'est ce que le Seigneur vous a fait comprendre, non? Au temps de Lot, n'est-ce pas? Il dit, quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je voudrais que vous d'abord prêtez attention ici. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Abraham a vu ces hommes passer, il dit, bon, ne passez pas. Il les a invités, insistant pour qu'ils viennent. Lot a vécu avec Abraham. Vous voyez l'influence d'un juste, l'éducation d'un juste. Oui, monsieur, oui, madame, faites attention avec vos enfants. Lot a agi presque exactement comme Abraham a agi. C'est pour ça qu'il dit encore ici, mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entré dans sa maison. Il fait quoi? Il leur donna un festin. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. D'abord, vous remarquez très bien que au verset 2, il dit, mais voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez la nuit, lavez-vous les pieds. Vous vous souvenez? Abraham a lavé les pieds, vous vous souvenez? Ah oui, Lot était attaché avec Abraham. Ah, vous connaissez cela. Alors, mais il dit, mais non, voici, vous savez, il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain. Donc, la même chose. Pourtant, ils ne s'étaient pas communiqués, hein. Et ils mangèrent. Or, s'ils avaient laissé dans la rue, la chose serait différente. Mais cet homme a insisté pour qu'ils entrent dans la maison. Voici l'hospitalité qui est tellement si importante, mon frère, dans notre vie. C'est vrai. Il a insisté pour qu'ils rentrent dans sa maison. On en regarde très bien. On ne va pas rentrer dans le détail, mais très bien. Ils n'étaient pas encore. Maintenant, prêtez attention.
Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était donc accourue. Je vous ai lu dans Luc chapitre 17, les versets en rapport avec Lot. Je vous ai dit, vous ne verrez pas les verbes se marier. Vendez, achetez, ainsi de suite. Vous vous souvenez? Tandis qu'avec Enoch, oui. Quand le Seigneur parle, il sait ce qu'il dit. Maintenant, nous rentrons maintenant dans Lot pour que nous puissions voir pourquoi il n'a pas parlé de marier. Ce n'est pas que le Seigneur a oublié, non. Il n'a pas voulu, il n'a pas parlé de cela parce qu'il y avait des raisons. Maintenant, regardons maintenant Lot. Maintenant, il nous dit, les gens donc, les veillards, toute la population était accourue. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont donc les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Ils sont venus chercher les hommes. Écoutez, mais oui. Il dit, faites-les sortir vers nous. Vous entendez cela? Pour que nous le connaissions. Ça veut dire quoi, le connaître? Vous direz, oh frère, mais faire connaissance. Ok, maintenant je vais vous montrer dans l'Écriture. Genèse chapitre 4. Vous me suivez? Amen. Vous y êtes? Amen. Alors lisons chapitre 4, verset 1, il dit, Adam fit connaissance à Ève, sa femme, et en faisant connaissance, elle a conçu. Non. Donc si nous connaissions là, c'est de faire ce que vous comprenez. Avec qui? Pas avec des femmes. Avec des hommes. Donc, au temps de Lot, il n'y avait pas se marier, mais c'était faire ce que vous avez entendu, je ne vais pas citer par le nom, hein, avec les hommes. Et je vais vous montrer encore plus clairement pour que vous puissiez comprendre effectivement que c'était la chose, effectivement, ce qu'il en était. Regardez très bien. Parce que le verset suivant, d'abord je relis encore 5, et puis vous voyez bien comment la capacité, dit, ben, ils appelèrent l'autre, il lui dit, non, attends, je veux dire, verset 4, il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, écoutez bien, hein, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils disent, nous voulons connaître, c'est-à-dire que nous voulons avoir, vous comprenez cela, avec des hommes. Mais regardez très bien ici. Voilà pour que vous puissiez comprendre effectivement que l'autre savait. Et puis l'autre, il dit ici, et il dit, mes frères, il dit, verset 7. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Et puis, pour démontrer qu'il savait ce qu'il voulait, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, non, retire-toi. Il ne voulait même pas de vie. C'est quand même, c'est pas moi qui ai écrit. Que Dieu te bénisse, mon frère, au moins tu es présent avec moi. On leur a donné même des vies qui étaient des vieilles. Prenez-le. L'autre, que Dieu, cet homme était vraiment un homme qui venait. Il dit, prenez-le. Il dit, non, n'en fais pas. Mais vous voulez qui? Parce qu'un mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Ah, on dit, ah, c'est vrai, mais c'est une chose qui est vraie. Une chose que nous sommes censés pouvoir connaître. Maintenant, regardez très bien. Je crois que ça se trouve ici, je suppose bien. Je vais vous le lire. Parce qu'on ne pourra pas dire que monsieur ici. Et voilà, je passe à ça. J'ai reçu ça. Bon, je n'ai pas voulu qu'on puisse projeter parce que je ne veux pas qu'on suisse, c'est sympa. Je peux lire, je vous donnerai les papiers, vous allez lire. J'ai reçu ça, en fait. Alors, on vous donnera ça. Il dit, le mois de juin est devenu le mois principal pour célébrer la Pride. Alors, vous savez ce que veut dire la Pride? Nous avons des anglophones. C'est un mot anglais, hein? Pride. Ça veut dire la fierté. L'orgueil de pouvoir sentir, donc on se sent bien. Eh bien, pour célébrer la Pride, dans le monde entier,
Écoutez bien, cela signifie quoi? Cela signifie que partout, je lis ce qu'on m'a donné. Hein. On ne va pas dire que le monsieur-là, il a eu à pouvoir dire les choses. Non. Moi, je lis ce qu'on m'a envoyé, qu'on m'a informé. Cela veut dire que cela signifie que partout dans le monde, une attention particulière est accordée à la position, à la position, à l'émancipation et à l'acceptation des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels à travers des manifestations bien connues. Vous pouvez passer les papiers, ça va. Je n'ai pas fini. Un autre. On va vous voir, vous allez la voir, ça va passer chez vous. Alors on nous montre ici les drapeaux arc-en-ciel. Arc-en-ciel que Dieu a eu à pouvoir mettre. Et puis, ils vont montrer maintenant leur nature pour dire que Dieu n'en a rien à faire. Nous avons donc choisi Satan. C'était bien écrit ici. Satan. Et qui sont. Ah ben bien sûr, c'est écrit, hein. On ne vous cache plus parce que ça, on ne va pas dire que moi j'ai dit, mais c'est dans leur milieu qu'on a traité, qu'on a prononcé. C'est un drapeau. On a bien écrit d'abord Satan. Donc, les drapeaux arc-en-ciel appelés Satan. Et tous ceux qui sont derrière là, ce sont bien des hommes qui sont habillés comme des femmes, effectivement, c'est un démontrant, parce que c'est ça, Pride. Et partout, les rues sont peintes à Pride. Donc, un arc-en-ciel, effectivement. Vous pouvez passer. Je n'ai fait que vous montrer ce qui est publié dans les news pour que les gens puissent arriver à pouvoir comprendre effectivement. Maintenant, ma question est de pouvoir savoir, mon frère et ma soeur, quelle heure est-il exactement? Pendant que vous, ici, ils ont joué à « et moi, on m'a fait, et ceci et cela », le diable est en train de faire son travail. Et vous-même aussi, les frères et sœurs, sans vous rendre compte, effectivement, vous tombez dans toutes ces choses-là. La mode qu'il faut sortir. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est pour les messieurs ou pour les dames, parce que c'est tout le monde paix. Comme il en était au temps de Noé. C'est pour ça que vous aussi, faites attention dans vos liens. Vous vous souvenez, cette année-ci, j'avais dit, c'est vraiment l'année de sanctification où nous devons mettre nos vies en ordre. Dans nos mariages, s'il y a des mariages qui avaient été comme qui n'étaient pas conformes, on doit revoir. Vous vous souvenez, non? Amen. Oui. Mais c'est parce que je crois que Dieu savait. Il faut que nous arrêtions de pouvoir vraiment prendre à la légère les choses de Dieu, frère. Le diable et ses démons ne dorment pas. Vous vous rendez compte qu'effectivement, en public, on se promène avec ça pour montrer clairement que non, nous, c'est Satan qui nous intéresse. Donc, on n'a plus besoin de ces dieux. On peut le publier, il publie, il marche avec. Et puis maintenant, on a dit ça. C'est maintenant dans le monde entier. Et vous avez honte de pouvoir démontrer que vous êtes de Dieu et que vous voulez vivre selon la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, quel est le signe qu'il montre effectivement au monde ce qu'il a? D'abord, c'est l'amour de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'amour de tout un chacun. Parce que cet amour de Dieu, effectivement, transcende effectivement dans les uns comme dans les autres. La Bible dit, ils étaient un, mon frère et ma soeur. Je me disais, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Frère, il faut que nous puissions arriver à pouvoir savoir que notre départ est vraiment proche. Parce que dans ces jours d'aujourd'hui, vous voulez rester ici. Mais vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les années? Parce qu'on a bien montré dans la situation de l'homme que même les enfants, parce que dans les écoles, on fait venir un monsieur qui est madame, on ne sait pas tellement très bien. Puis les enfants, et vos enfants vont quoi? Mais c'est simplement pour détourner la pensée de vos enfants. Pour que je pose l'action, que ce soit, mais je peux devenir aussi comme ça. On pousse les enfants à pouvoir devenir comme ça. Et vous dormez. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si vraiment nous sommes conscients de ce qui se passe. Parce qu'on ne pourra pas dire que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Nous l'avons lu avec vous. Elle s'accomplit sous nos yeux, mais d'une manière aussi claire et précise, et encore pire encore. Parce qu'on commence à pouvoir. Maintenant, tout un chacun de vous est obligé de pouvoir accepter. Si vous dites quelque chose contre, ben vous avez des amendes. Vous avez... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors c'est pour ça qu'on dit, prêt, donc, ils sont fiers de l'être, effectivement, de ce qu'ils sont. Et vous, je ne dis pas parce que, bon, un peuple de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est fier de quelque chose. Mais vous, vous avez confiance en qui? Vous, vous glorifiez en qui? C'est ça le problème, hein? Alors, si moi, je me glorifie en Jésus-Christ, je dois démontrer au monde. Parce que, frère, la façon d'habiller, je ne dois pas arriver à pouvoir m'habiller comme le monde. La façon d'être... Non, il faut que quelque chose change en vous. Dans chacun de nous. En nous tous, effectivement. Que nous prenions vraiment position d'une manière claire. Jamais plus avoir honte de Dieu. Si eux, ils n'ont pas honte de pouvoir montrer que Satan, elle est l'air et puis marcher comme cela. Aussi dénudé. Mais mon frère, toi, tu vas avoir honte de pouvoir parler que, tu es, que Dieu est ton Dieu à toi. Tu vas avoir honte de Jésus, notre Seigneur. Si c'est un tiens, un temps pour voir et aussi montrer ta marque dans le tien. Mais c'est maintenant. Maintenant. Amen. Pas seulement dire, j'aime Jésus, mais aussi par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Que tu as la conformité à ce que l'Écriture dit de toi. La femme à sa place, l'homme à sa place, j'obéis, peu importe, mais j'agis comme la Bible dit. Vous parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Les systèmes, et puis arriver à ça. Mais personne ne peut arriver à pouvoir dire qu'il faut ceci, il faut ça. Non, quand la Bible dit, on n'en a même pas besoin. Mais toi, tu dois savoir. C'est pour ça que tu dois savoir quelle est ta position. C'est pour ça que tu viens ici. Tu ne viens pas pour effectivement que tu sors, puis quelque part à l'extérieur, tu deviens comme les autres. Non, tu y viens parce que tu veux devenir un fils de Dieu, entendre ce que ton père va dire. Alors à ce moment-là, je me conforme à cela. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Oui, le temps est fortement avancé, mon Sauveur béni. C'est vrai, le temps de pouvoir vraiment jouer, copuler avec le monde et vraiment terminer, mon Seigneur, puisses-tu vraiment nous aider, Père Dieu. La pression qui est en train de pouvoir venir, la pression que Satan est en train de mettre, Père Saint-Dieu, tu nous l'as dit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, il dit, c'est vrai que les portes, ces jours de mort, ne parviendront point contre elles. Satan se dressera encore davantage contre ton peuple qui veut s'accrocher à ta parole, contre ton église, Père Tout-Puissant-Dieu, qui veut se conformer à ta volonté, à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Souviens-toi de nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tiens-nous encore par ta main droite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous à pouvoir traverser, Père Saint-Dieu, des moments comme ceux-ci, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est un moment tellement difficile. Même là, l'Église est devenue tellement si tiède. Tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Certainement, mon roi, tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. La pression est tellement si forte, mon sauveur. Viens-nous en aide, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons nous conformer à toi. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de pouvoir te tenir. Père Tout-Puissant-Dieu, parce que même les démons sont rentrés dans ces soi-disant prédicateurs, Père Saint-Dieu. Ils sont même allés plus loin, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Seigneur, viens au secours de ton peuple, mon roi. Tu as dit avec raison qu'ils étaient seraient tellement si près que les élus seraient séduits, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon sauveur. Nous avons fait un pas, nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous avons fait un choix, c'est de pouvoir marcher avec toi. Nous ne voulons pas retourner en arrière, mon roi. Oh, parce qu'en arrière, c'est terminé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le monde n'a point d'issue. Il ne sait plus faire la différence entre les biens et les mal. Mon Dieu, viens-nous en aide encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Que ta parole à toi nous soit prêchée dans la clarté, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ta parole à toi nous soit prêchée dans sa puissance, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Afin que nos vies soient ramenées à toi. Seigneur, viens-nous en aide, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que le monde a tellement une force, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur. Si toi, tu ne délivres pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu ne viens pas en aide à ton bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Qui pourra, mon bien-aimé Père Tout-Puissant? Je t'en supplie, mon roi.
Viens au secours de chacun de nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Viens au secours de mon frère. Viens au secours de ma soeur. Viens au secours, Père Tébisson, de nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Oh, comme le diable cherche à pouvoir détruire, oh, Père Tébisson, et faire sortir, Père Tébisson, oh, bénémoine, de la ligne qu'il faut. Nous implorons la grâce, mon roi. Nous voulons tenir ferme, mon bénémoine Père Tébisson, Dieu. Nous voulons éduquer les nôtres selon ta parole à toi, Père Dieu. Afin qu'ils soient conformes à ta volonté. Pardonne, soutiens, aide-nous encore, mon sauveur. Merci. Merci, merci mon sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Père. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Merci, Père. À cause de la grâce, mon sauveur, bien-aimé, Père Dieu. Merci. 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 Merci encore, mon sauveur. Pardon. Pardonne-nous encore et soutiens-nous. Conduis-nous encore, mon sauveur. Merci, merci. Merci, mon sauveur. Merci. Merci, mon roi. Gloire te soit rendue encore pour ce que tu fais, pour ce peuple qui est à toi et dans différents endroits, différents lieux, mon bénémoine Père Dieu. Je te demande grâce de pouvoir nous aider, Père Dieu, à être réveillés, Seigneur. À revenir vraiment à toi, mon sauveur, mais vraiment dans la sincérité, dans la vérité, Seigneur. Nous t'implorons la grâce, que tout ce qui est du monde de nous puisse être vraiment ôté, Seigneur, Père Tout-Puissant Dieu. Que toute cette puissance des ténèbres ne soit plus, et que la force ne soit plus, Père Tout-Puissant Dieu, où elle peut avoir la puissance de pouvoir encore emporter ton peuple, mon roi. Que tu protèges, je t'en supplie, mon roi. C'est toi qui agis encore dans notre vie. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme chante ta gloire. Et loue ton Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Père Dieu. Pardonne-nous encore. Donne-nous cette unité de la foi. Donne-nous cet amour qui nous unit encore, mon bénévole Père Saint-Dieu, à ta parole. Oh Dieu. Seigneur, aux autres aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu as dit que, oh, puisque l'amour, le plus grand homme se refroidira. Aide-nous, Père Saint-Dieu, que cela ne puisse pas arriver, Père du Saint-Dieu, pour nous, Père. Nous te demandons la grâce. Nous te demandons le soutien. Nous te demandons le secours. Agis encore. Merci pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous devons. Vraiment, je crois que c'est aussi nécessaire, comme nous l'avons, et à pouvoir aussi l'entendre. Nous devons nous soutenir mutuellement, les uns les autres, et nous aimer, et puis combattre, parce que les diables vont nous combattre davantage, mais nous devons prier pour nos frères et pour nos sœurs. Notre précieux frère José est parti en Afrique, et il traverse des moments très difficiles. C'est notre frère, c'est l'un de nous. Peu importe ce qui peut être passé, mais il demeure toujours le nôtre. Il a besoin de nous. Il a besoin de ses frères, il a besoin de ses sœurs aussi. Nous devons prier pour le frère. Nous voulons que le Seigneur l'aide à ce qu'il revienne parmi nous. Les choses de la terre passeront. Peu importe ce qu'il aura fait, à l'un comme à l'autre. Mais c'est notre frère. Il est le nôtre. Il a toujours été ici, combattant aussi avec nous. Maintenant, il est là-bas, de l'autre côté. Les diables l'assaillent. Il a besoin de nous. C'est pourquoi je voudrais que nous prions pour lui. Tendre Père et précieux sauveur, notre précieux frère José est notre frère, Seigneur Dieu. Il a toujours été ici parmi nous, mon bénémoine Père Tout-Puissant, combattant pour la bonne cause de la parole, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Regarde combien les diables s'est déchaîné sous l'un de nôtre, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous, en tant que l'Église, nous venons vers toi, mon bénémoine Père Tout-Puissant-Dieu, pour prier. C'est notre frère. Peu importe ce qui s'est passé, mon bénémoine Père Tout-Puissant, il demeurera toujours le nôtre, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est notre frère. Je te demande grâce, mon roi. Nous te supplions, Père Dieu, pour ce que Satan a cherché à pouvoir détruire. Voilà aujourd'hui, Père Tout-Puissant-Dieu, il a été plongé dans des choses, mon bénémoine Père Tout-Puissant. Seigneur, que tu protèges, mon roi. Que tu fasses sortir notre frère. Que tu le ramènes, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Qu'il soit libéré. Bénémoine Père Tout-Puissant Dieu. Oh Dieu, la solution à tout ce bon bénémoine Père Tout-Puissant Dieu. Il n'a que toi comme Dieu. Il n'a
que toi comme Seigneur. Il ne loue que toi, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Oh, bien-aimé Père, sans Dieu, nous prions, bien-aimé Père. Nous implorons ta grâce pour lui, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Nous avons besoin de lui, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Pour revenir encore à ta maison, à toi, bien-aimé Père. Pour te louer, te servir, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Libère, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Oh, Dieu agit pour lui, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Combat aussi pour lui, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Pardonne ce qu'il a fait. Pardonne ce qui s'est passé, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Seigneur, soutiens. Seigneur, fortifie. Seigneur, élève, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Ramène notre frère, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Il est le nôtre, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Nous te prions, mon roi. Souviens-toi de lui, mon bien-aimé Père, Dieu. À cause de ton sein, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Oh, il chantait les chants des Sion pour ta gloire. Il était là pour voir, Père, tu vis sans Dieu, témoigner de toi, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de son frère, mon bien-aimé Père, Dieu. Il va aussi revoir ses frères dans la liberté aussi, mon bien-aimé Dieu. Ses sœurs aussi, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Sa femme, ses enfants, bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Sa famille, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Mon Dieu, tu es notre Dieu. Tu entends les prières, Père. Relève et soutiens-les, mon bien-aimé Père, sans Dieu, parce qu'il est à toi. Là où il est seul, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Il n'a pas d'autre appui, d'autre secours. Ce n'est que celui que toi, tu lui apporteras, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Nous te supplions, je t'implore la grâce. C'est mon frère, c'est notre frère, mon roi. Oh, que tu le gardes, Père, sans Dieu. Je demande cette grâce, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes encore là, c'est aussi un moment que je voudrais quand même vous demander. Depuis que je suis rentré, vous savez, ce que le Seigneur a fait au Mexique est tellement aussi quelque chose qui a vraiment touché là-bas et il ne cesse de pouvoir m'écrire aussi. Et aussi, dans d'autres pays aussi, qui m'ont demandé aussi de pouvoir aller là-bas. Alors, c'est vrai que dans le mois d'août ici, donc, j'ai au moins 3 invitations. Il y a le Madagascar qui m'a demandé de pouvoir aller. Il y a aussi la République dominicaine qui depuis tellement si longtemps qu'il attend cela. Et maintenant aussi donc le Mexique qui demande que je puisse retourner là-bas parce qu'ils ont rassemblé tous les pasteurs effectivement qui voudraient que je retourne pour arriver. Et non seulement cela, hier soir vers 4h, je crois, 3h ou 4h du matin, oui. Je sais pas si vous savez, le décalage horaire avec eux, c'est un peu difficile. Alors ils m'ont dit qu'ils voudraient encore que j'aille dans un autre pays. Donc, ils veulent que je retourne là-bas ce mois-ci. Donc, c'est pour le mois d'août qu'ils le veulent absolument. Ils ont déjà fixé des dates, effectivement, pour que j'aille. Et ces mêmes dates correspondent, effectivement, aussi aux dates que Madagascar a aussi demandé. Et ce n'est pas aussi facile. Donc, ce sera un voyage qui va quand même prendre un tout petit peu plus que quelques jours, plus encore davantage, parce qu'ils veulent m'amener encore dans d'autres lieux, dans d'autres villes, dans notre pays aussi, effectivement aussi, pour que la parole de Dieu soit prêchée. Alors, je vous demanderai de prier aussi pour moi, que le Seigneur puisse toucher aussi le cœur de ceux qui sont à Madagascar, parce que si je ne vais pas à Madagascar encore aujourd'hui, vous vous souvenez des situations aussi difficiles qu'ils ont eu à pouvoir passer quand j'étais parti aux îles Maurice. Et ça n'a toujours pas été facile pour eux. Et ils tenaient effectivement que je puisse aller cette année-ci. Mais bon, prions que le Seigneur nous aide. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Et surtout aussi pour ceux qui se préparent aussi là-bas au Mexique. Parce que si les pasteurs se rassemblent, c'est parce que Dieu a eu à pouvoir parler aussi et les désirs des cœurs et de pouvoir aussi voir comment les choses de Dieu se mettent en place. Et je crois que le Seigneur veut aussi instruire. Et dans d'autres endroits aussi, les portes s'ouvrent encore davantage. Je crois que le Seigneur est en train d'agir encore et qu'il ouvre davantage. Il pourra. Nous avons confiance en lui. Et quand vous vous mettez aussi à genoux, priez aussi pour moi. Merci beaucoup pour toutes ces prières. Quand vous vous souvenez, vous avez eu à pouvoir gêner quand je suis parti là-bas. Et c'est ça le résultat, en fait, de ce que vous avez prié sincèrement. Et les portes s'ouvrent et les âmes sont ramenées à Christ et ramenées aussi à la parole de Dieu, afin qu'ils aient l'équilibre dans les choses. Nous allons prier pour ceci. Précieux Sauveur et tendre Père, tu connais mon cœur, mon Père Saint-Dieu, et l'allégresse et la joie que j'ai de pouvoir voir ta main puissante agir encore aujourd'hui. Et ce que tu as fait là-bas au Mexique fait que la puissance de Dieu et la joie encore davantage. Et de ce frère, Père, souviens-toi de notre précieux frère John Appleton, qui soit vraiment béni, c'est un instrument que tu utilises là-bas, Père. Dieu, bénis mon frère.
frères qui sont à Veracruz et maintenant ils veulent aussi que je puisse aller vers Belize, là-bas dans ce pays-là, parce que Dieu est dans notre ville. Je t'en supplie, puisses-tu vraiment agir encore davantage et faire ce que toi tu veux, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je prie aussi pour Madagascar, pour la République Dominicaine. Tu vois notre frère, le Nesca, qui pleure tout le temps et qui voudrait tant que je puisse avoir l'occasion d'aller aussi là-bas et Madagascar le plus longtemps. Seigneur, j'ai besoin de toi encore davantage, mon roi. Tu le sais, ma sincérité, Père Dieu, et pour ton peuple encore en ce jour. Le temps est là où ton peuple, toi, dans différents endroits, où doivent aussi entendre ta parole et agir aussi, mon roi. Qu'effectivement, conformément à ta volonté, puisque nous voyons que le signe de ta venue est tellement si manifeste à nos yeux que tu reviens bientôt et nous voulons vraiment nous retrouver dans la position de ta parole à toi pour que nous puissions vraiment être manifestés. Alors que le diable est en train de pouvoir maintenant s'agiter au travers de ceux qui sont à lui et qui ne se cachent plus, nous aussi nous savons que tu vas manifester ceux qui sont à toi. La terre, la nature entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Nous voyons le combat, nous voyons effectivement comment le diable est désemparé avec ses démons, Seigneur. Or, nous voulons que ta parole à toi soit prêchée, apportée encore partout dans le monde, comme tu le fais, Seigneur. Garde ton peuple, tiens-nous encore dans l'alerte davantage. Et nous restons à genoux et à la prière encore davantage, mon roi, et pour tout ton peuple. Bénis chacun de nos pères. Merci pour mon précieux frère, cet enfant chrétien, Seigneur, pour tous les bien-aimés frères. Nous sommes là aussi, Père Tout-Puissant Dieu, et ton œuvre à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et tes compassions. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas les jours où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans ce cercle. Pour
œuvres.